Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai survécu 400 jours en hardcore sur Minecraft. Cette vidéo est un film qui retrace l'intégralité de ma survie et vous allez découvrir comment j'ai construit une île 100% build, bien des fermes automatiques ainsi que comment j'ai acquis tous les achievements ou comment j'ai réuni tout plein de collections très peu utiles. Bien évidemment, tout ne s'est pas toujours bien passé, mais ça, vous allez le découvrir en regardant cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous plaît. Sur ce, bon visionnage à vous. Oh, il y a la lave à côté. Moi, je prends un Pégase. Mais t'as fait quoi le cheval? Je récolte du cuir. Mais pourquoi tu ne fais pas une épée avant? Parce que je l'attaque à la plume. C'est écologique. T'es sûr de que buter un poulet pour taper un cheval avec, c'est écologique? Bah oui, c'est la nature. Ouais, c'est un poulet qui attaque un cheval, t'as jamais vu? Ah, c'est pas courant. Ah, t'as laissé tomber des bâtons. Ah, non, c'est pas moi, c'est les arbres. Ah, les feuilles qui luttent des bâtons. Ah, il m'a pas donné de cuir lui. J'avoue que bonne idée, il faut récolter la masse de bouffe là parce que quand il va faire nuit, ça va être la merde. Mais il commence à faire nuit. Mais wesh, elle est où? Bah regarde mon pseudo. Je te vois pas ton pseudo. Tu me vois là, je suis à ta gauche. Je vois ton pseudo. Viens près de moi. Ici il y a une grotte et ce serait bien qu'on va se cacher. Ah, j'ai pas encore le move pro. Petit escalier. Oh putain, c'est une grotte de merde. Pourquoi y a du lapis là? Je sais même pas te dire que je croise du lapis. Je vais direct nous crafter des beaux petits boucliers là. Bouclier qui va gâcher la moitié de ton écran mais qui va garder constamment. T'as fait. J'ai failli déconnexion. Ouais, c'est dangereux cette idée. Moi je propose. Ouais, je sais pas en fait. Et quand le jour il monte, ils t'ont fait quoi les poissons? Viens. Bon, le problème c'est que je trouve des moutons mais pas des moutons de la bonne couleur. Je suis pas raciste mais c'est compliqué de faire des lits. J'ai récolté qu'un seul saumon, c'est une blague. T'en as tué qu'un? Non, j'en ai tué deux. Bah, il y a un saumon qui était pas généreux. Maintenant, je retourne pêcher plutôt. J'ai pas pu... J'ai pas pu aller chercher de la vraie viande, quoi. Oh, fais gaffe, cours. Par ici, il y a un mec avec un trident, il va te mettre très cher. Ah, ah mais c'était sûr, en fait. Merde. C'était sûr. Allez. Bah... Je sais pas, il est où? Non, c'est bon, je l'ai trouvé. Oh, regarde la grotte démoniaque qui a l'air qui est en face là. Toi tu veux sa mort au cochon? Oui, il a de la viande. Non, ma viande. T'es mal la grotte de mort qui est en face là. Moi avec mes shaders ça met de la brume carrément. Et on va pas y aller hein. Pas maintenant en tout cas. Je sais pas t'es où, j'ai été déconcentré par j'ai trouvé du... Tu peux pas avoir une table... Enfin tu peux pas mettre... Alors ouais. S'il te plaît. Putain mais... J'ai vraiment trouvé toutes les couleurs de moutons, j'ai du gris, j'ai du gris clair, j'ai du brun, et pas de blanc. Et sérieux, genre, si tu trouves du gris, ça change quoi? Je peux pas les mettre ensemble pour faire un lit. Ah, j'ai trouvé du cuivre! Je suis jaloux. De toute façon, j'ai des lits, en fait. Ramène-toi en haut, là, je peux faire des lits. Ou pas, il me manque un de laine. Le seum. Regarde. Vraiment. C'est jaloux parce que j'ai trop la classe. T'as fait quoi? J'adore le « t'as fait quoi ?» genre en mode... Ouais, c'est vraiment... Tu vois, j'ai mis un bateau sous les pieds de l'Enderman, ce qui a fait qu'il est rentré dans le bateau. Et puis après, il m'a mis une droite. Il m'a mis à deux cœurs. J'étais en mode « oula. » Je suis laissé tranquille, toi. Enfin, non, je t'ai quand même tué, mais c'était chaud. On peut faire quoi avec un lingot de cuir? Rien. Pas intéressant. Moi, je croyais on pourrait se faire un plastron, mais en fait, pas du tout. Non, le cuir, on peut pas faire d'armure. Ah, je suis tombé sur le truc le plus démoniaque de jeu. Attends, mais sur quoi? Bébé zombie. Tu peux rien faire avec le cuivre. Enfin, si tu peux faire un piquet, mais ça s'appelle c'est un paratonnerre, quoi. Tu comprends le principe d'un paratonnerre, bah c'est pas beaucoup plus compliqué. J'ai envie de voir à quoi il ressemble. Je l'appelle Steve. Je suis un chouïa plus loin, mais si tu veux, il y a du cuivre auprès de moi. À croire que je suis une folle et que du coup, je voulais récolter, quoi. Non, mais j'hallucine. Ouais, comme si ça servait presque à rien, quoi. À faire une maison en paratonnerre. Tu veux que j'en fasse plein des paratonnerres? J'ai vu ton partage d'écran, comment ça, 16? Ah, je suis niveau 9, je sais pas toi. 15. Putain. Je n'en peux plus. Ouais, c'est un gros trou, ça.
Ah. T'as vraiment décidé de creuser. C'est vraiment le pire contrôle, mais... Genre... Je t'ai dit, waouh, mais c'est parfaitement là que je vais la faire chier, quoi. Tu t'es vraiment arrêté en mode, mais il est con, lui, ou quoi? Mon perso, il s'est vraiment retourné en mode, mais elle est où, la lampe torche, hein? Ouais, diamant. Oh, let's go. T'as trouvé des diamants? Ouais, c'est quand même pas d'avoir trouvé plus de diamants que de fer. On va partir sur les prochains diamants. Hein. Quoi? Tada! Tada! Bon, je profite de cet accéléré pour vous dire, au début je pensais jouer en 1.20.2, d'ailleurs cette vidéo a été tournée dans cette version, mais afin de pouvoir utiliser le replay mode, dont je me servirai plus tard, j'ai dû revenir en 1.20.1, ce qui a eu pour conséquence de supprimer la map, mais je nous ai simplement rendu le stuff qu'on avait, précisément, mais dans le prochain épisode ce sera la même chose, mais dans une autre version. Oh merde. Enfin, j'en ai trouvé plus que deux là, c'est alors, trop quoi. En plus d'avoir trouvé qu'on ait trouvé le biome de mort, j'ai trouvé le temple là où il y a le biome de mort. Ah bah c'est toi qui as les fours. Ouais, tu veux que je mette où? Là où tu veux. Bam. Bon, du coup, depuis le dernier épisode, j'ai fait tout plein de trucs. Alors, comme vous voyez, une table enchante. C'est pas tout. J'ai été énormément miné. Enfin, énormément, c'est un grand mot. J'ai été pas mal miné, histoire d'avoir un petit peu plus de ressources. Boum boum. Et j'ai tué la masse de monstres. Enfin, de monstres, de créatures. Donc du coup, j'ai plein de bouffe. Ruby aussi a été minée d'ailleurs, mais juste qu'elle n'est pas encore rentrée parce qu'elle a dû se déconnecter. Mais donc du coup, voilà. Et on va pouvoir avancer sur la table d'enchant. Et là, je peux la poser. Pouf. J'en veux plus. Non. Bon, voilà qui est fait. Maintenant, craftons-nous une armure et des outils de riche. Nique ta mère. Ah oui, donc on a décidé d'être un enculé. Ok. Mais c'est quoi tout ça, là? C'est comme ça? Oui. Bon, pousse. Allô? Oui, ça va, je te dérange pas? Ah non, tu me déranges pas? Bon, du coup, maintenant que je sais pas si ma pioche elle va être bien, est-ce que je tente un solide 3 au pire? En vrai c'est bien, sinon je pourrais pas faire beaucoup d'enchantes avec ce que j'ai là. Seum. Bon allez, vrai homme n'a pas peur. Ah. Vrai homme plus seum. La meilleure manière pour faire 2 XP. Le nether ça s'avère dangereux, mais c'est efficace. Bon, le nether. Nice. Oh ça va. Non pas toi. Ouais, ça va, hein. Ouais. Oh, mais c'est une forteresse, ça, que je vois, là. Mais c'est génial. Mais il est incroyable, ce nether. Aïe. Oh, l'ambiance, il est horrible, ici. On va pas rester ici, maintenant. Il y en a beaucoup, monsieur. Je pars par là-bas. Hein. Vous allez m'en vouloir si je... Ouh. Je cours vite. Aïe, me tue pas vite. Bon. Nul. 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 C'est une blague. Oh. Oh, mais putain, il y avait épine en plus. Pas ce que je voulais, mais c'est mieux que rien. Bon, on est reparti pour aller refermer. Hein. Oh. Oh, l'effet de chaleur, il est beau. En plus, on voit bien. Ouh. Alors. On y va. Oh my god. Wow. Ah, il y a un marais. Je veux faire un marais dans notre future maison pour les axolotes. En vrai, le marais, ouais, c'est bien. Moi, j'aime juste pas la couleur de l'eau. Elle est toute caca. Ah, merde. Je suis parti dans le nether, mais j'ai quasi plus de lapis. Il me reste 9. Je peux faire que 3 gros enchantes. Flûte. Prendre de la viande au cœur. Les jours sont rares. 4 semaines que je n'ai plus bu une seule goutte d'eau. La pluie rouille mon armure. Oh, le connard. Oh, merde. J'ai perdu la table d'enchantes.
sub. C'est pas grave, on le refera. Ouais, mais ça coûte 2 diamants. Pas du diamant. Oui. Non, pas beaucoup, mais déjà ça. Oh ah. Non. J'avais du diamant. Salut. Attention, il y a un creeper derrière. Oh, diamant. Quand même beaucoup, non. C'est bon, t'as vu tous les creepers qu'il y a là, wesh. Putain, une conférence de creepers, c'est n'importe quoi. Tu mets coordonnées pour savoir où je suis exactement? Non. Derrière toi. Alors, pop, pop, pop. Pop. C'est moi où je suis accroupi? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de faire 1m50 là. Aucune impression. Oh! Intéressant, dis donc. Oh! Mais j'avais pas vu, il y a une pomme de notch. C'est bien ça. Et B, décidément intéressant, le spawner. Bon, maintenant, go devenir riche. Bon, enfin de retour chez soi. Au moins, j'aurais bien farmé, hein. Alors, il va falloir qu'on déménage, je n'ai plus de place. Je vais refaire des coffres. Là, ça va être coffre à bouffe. Coffre à plantes. Coffre à trucs inutiles. Bloc. Là, ça va être le coffre à loot. Bon, on est bien, là. Tout rangé. C'est déjà un peu plus convivial, comme ça. Ah oui, d'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous dire quels enchantements j'ai sur mon armure. Donc, poup poup. Alors, soutien 3, protection 4. Pareil, pareil. Triste, mais presque bien. L'épée, pas ouf. L'arc, pas ouf. La pioche, incroyable. Bof, en vrai, le toucher de soi, il fait plaisir. Et voilà. Bah, t'es où, là? J'ai vu ton pseudo une fraction de seconde et après, à je bas, le vois à plus. À droite, derrière, devant. Attends, attends, bouge pas. Gauche. Attends. Oh, regarde. J'ai pris une selle au cas où je vois un cheval. Ah bah y'a des chevaux là. Moi je veux un cheval qui va vite. Rien à foutre du reste. Tu veux me dropper la selle 2 secondes? Ah ouais, attends. Ah, je crois qu'il m'a adopté, c'est bon. Non, c'est toi qui l'as adopté. Lui, tu vois, par exemple, il est nul. Il est pas du tout rapide. Hop. Il est en train de m'ornifler le cul. Non mais je veux dire en attendant. Est-ce que je peux aller me baigner avec le requin? Par contre, j'aurais bien pris la table d'enchant, mais le blème c'est que j'ai laissé ma hache à la maison et la hache à sa tête. Bon, allez, on y va. J'ai cru que je me faisais attaquer, non, j'avais juste plus de builder. Ah, de mon shader, ça après un. Après un. Pluie, il y a un arc-en-ciel. Ah, il y a disparu. Mais un partage, non. Bah, tu le verras sur ma vidéo. Tu crois que si tu prends dans ton seau de l'eau qui vient d'un marais, est-ce que quand tu l'as fait couler, elle est dégueu. Ça va, tu flexes bien là? Oh, il est. Oh, j'ai vu le fond, c'était terrifiant. Et quand j'ai plongé dans l'eau, bah. Après, le fond il a disparu, c'était encore plus terrifiant. Non, ça va, t'as pris trop longtemps. Hein. C'est bon, j'ai trouvé mon chemin. Attends, ah ouais? Ah ouais? Tu me dis ta gueule à moi? Dis, tu te fous de ma gueule. Nya. Non, je rigole. Ah, ah putain. Ah, oh, j'ai perdu toute ma vie. Dead. Je sais pas si ça change, mais dès que je cours, je saute un peu. Genre, je maintiens ma touche espace. T'essayes d'être caché, là? Oh, par contre, lui, là, le corps qui crie... Ouais, toi, tu l'entends pas, c'est vrai. Tu vois, le PNJ qui sont là-bas, là? Ouais. Il arrête pas de mince... Ah, avec ses... Oh. C'est vrai que ça va vraiment bien, d'un coup. Teinture bleue. Et après, tu fais clic droit sur le chien. Ouh. Faire la même avec la redstone ou pas? Non. T'as combien d'avancé? Non, par contre, moi là, je te vois pas. Ah, si, c'est bon, je te vois. T'inquiète pas, je te rattrape. Et je suis là. J'avais pas vu. Pour la peine, je tue ce cochon. Viande! Je mangerai même pas sa viande.
Miam, 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 miam. Oh non, je l'ai pas ramassé. Du coup, je peux... Ah non, c'est que l'équipement bébé en cuir. Vache. Tape-le, je te tue. J'ai essayé, mais j'ai foiré. Non, c'est fou. Attends, je peux... T'as fait du mal à bébé vache. Je peux avoir de l'eau, s'il te plaît. Merci. Elle remonte comment, elle? Oh, elle remonte. Hein. Ouais, elle se fait légèrement étrangler, mais c'est pas grave. Fais un effort. Mais tu fais aucun effort. Et là, ça va? J'espère qu'on va pas perdre la bébé vache, hein, parce que du coup, je l'ai enterrée vivante. Hein. Putain, lui, champignon, il fait pas comme les autres. J'avoue qu'il est grand, lui. Regarde à quel point la hache, c'est puissant sur les champignons. Ouais. Bah, il va pas rater. Regarde. Tu vois un champignon? On est d'accord qu'il va se détruire un peu comme un arbre quand tu détruis non. Son trou, hein. Oh! Oh, j'ai eu un bloc de champignons. Ah, oh, c'est trop cute. Par contre, j'ai continué tout droit. J'espère que t'as continué tout droit parce que je t'ai perdu. Hein. Oh, la veille! Oh, combien tu la tapes? Elle a même pas eu le temps de te dire bzzz. Elle a fait bzzz. Toi aussi. Elle a rien demandé, elle s'est pris un coup d'épée dans la nuque. Mais il est où? Super, merci, je les ramasse tous, hein, puisque je suis derrière toi. Merci, balance-moi tes détritus, hein, franchement. J'ai vu les paratonnerres là que t'as pris. Bon, attends, je vais faire l'impensable. Ah, tu peux m'aider avec ta hache? Pourquoi faire? J'étais en mode... Waouh! Mais le steak, il m'aide de ouf, hein. Non, pas du tout, en fait, c'était toi derrière. Tu as vraiment occupé la porte? Ça coûte cher, hein. Mais ta puce. J'ai visé un cochon avec un œuf. T'es où? C'est moi, on est en train de tourner autour du train. Putain. Je peux pas ramasser ta merde. Hein. C'est poétique. Allez, go. Attends, regarde. T'as cassé ma plaque. Trop merde. Oh, regarde, y'en a d'autres. Merde, elle est cassée. Bon, allez. T'es où, là? Mais toi, t'es où? Mais t'avances, Mais oui, j'avance, faut se suivre. C'est bon, je te vois. J'aurais un arc, j'en aurais décoché une. Je rigole. Ça va, Tarzan? Je t'ai eu, non? Ah non, c'est le sol. Merde. Et je suis tombé dans l'eau. Oh, une abeille. Yeah. C'est l'abeille quand elle s'est écrasée. Ça te fait rien que je te tape là? Ah, il est tombé dans un trou. Toi aussi. Mais t'as enlevé l'eau, j'étais en train de grimper. Pourquoi je saute dans le vide là? Oh, attends, je viens de me rappeler de la bébé. J'allais dire bébé chèvre. Bébé vache. Boop. Le connard. En plus, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va me faire là? Pourquoi il s'arrête? C'est bon, j'ai trouvé le village, mais j'ai pas trouvé la vache. Tant pis. Ah non, pas tant pis. Je l'ai enterrée vivante quand même. Hein. Ah, c'est bon, je crois que je l'ai retrouvée. Ah non, je l'ai pas retrouvée. Ça alerte. Oh, le coucher de soleil, il est beau! Le truc, c'est que ce serait bien d'avoir une jolie plaine, toute arrondie, toute belle et tout. Là, on a des trous partout, il y a la génération est moche. Alors, bien s'amuser à reboucher tout ça. Hein. Au lieu de point de réapparition défini et Ademax a rejoint la game, j'avais lu Ademax est dans le déni. Je dis, quoi? C'est qui, déni? Bon, tu dors, là? Ouais, c'est bon. Ah, mais bébé. Bon, allez, moi, je vais aller chercher la vache. Notre maison, ça va devenir une animalerie. Pourquoi il y en a trois? Parce que ça rendait mieux que les trois dalles de chien. Non, c'est juste parce qu'on a un lit king size. Voilà. J'ai fait un truc moche. Oh, c'est horrible. Attends, j'ai encore plus moche. Voilà. Oh! Non, il est descendu.
Il a grogné, ouais. Et j'ai fait quoi? Eh, hey, tu te calmes. Oh, j'ai vraiment tes chiens dans ma tête. Et t'ennuies pas trop. Ah ouais, t'avais leur cul dans le nez, là. Il y a un clébs, il va exploser, tu vas voir, il va faire... J'ai donné... Mais ils sont chiants, tes chiens, dans la porte d'entrée. Non, couché. Bon, alors, tu vas pas me croire. Quoi? Il y a une météorite. Comment ça? Elle s'est abattue sur la maison. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éteint le feu, là, qu'il y avait. Genre, il y avait du feu partout. Il y avait des dinosaures. Et d'un coup, genre, dans la météorite, c'était des chiens. En fait, ils avaient perdu leur maison. Qui était la météorite, puisqu'elle s'est écrasée. Et du coup, bah, ils étaient tout seuls et je les ai recueillis. Et tu verras dans la maison. Dis-moi qu'il n'y a pas de douche, chien. Non, il n'y en a pas 12. Du coup, je l'ai fait présentable. Et ensuite, tu pourras vous regarder. Je l'ai fait présentable, il va leur mettre du petit costard, là. On dirait un portrait de famille, c'est tellement beau. Mais me tourne pas le dos. Voilà. Et qu'ils sont mignons. C'est bon, tu peux rentrer. Ça va, en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Je m'attendais que la maison elle soit inondée. Ils sont mignons. Je vais aller voir mort. Je peux faire la blague? Oui. Je t'ai roulé une pelle. Non, au pire, tu sais quoi, laisse-moi faire ça. Et t'as dit pas de t'occuper genre en mode de ramener les animaux et de faire un petit élevage? Il me reste 16 barrières, ça va être chaud. Va mais... casser quelques arbres. Mais... Oh! Mais ça va là! Laisse-moi être fainéante. De 1, Silver, tu pues la merde. Et de 2, tu vas pas derrière le bureau. Ouais, c'était bien ridicule. Hein. Ah, Silver, il pue le caca. Il me faut ma ou maintenant. Ouh! Putain, l'homme de Cro-Magnon. Ah! Je lève la tête, il y a des zombies, super. Ils veulent t'accueillir. Ils arrivent, ils font. Eh, mademoiselle! Ah, parce qu'ils parlent, parce que moi j'entends. Rouh! T'as quand tu l'as fait ton. Rouh! On aurait dit que c'était un zombie, mais un peu riche, tu vois. Bon, maintenant il me manque plus que 2 vaches. Oh non, il pleut! Oh putain! Eh, tu fais des trous, je te trouve. Tu fais aucun effort. J'ai terraformé quasi toute l'île. Enfin, c'est pas une île, elle est encore un peu reliée à la terre. Mais quasi tout est terraformé, tout beau, tout lisse, avec des torches. Il y a de la terre qui flotte, j'ai pas envie de la ramasser. C'est toi qui la ramasse. Bon, maintenant j'ai mes bâtons de blaze pour pouvoir faire mes potions, il me faut des yeux d'araignée. Bon, j'ai dû revenir à l'emplacement où je les ai farmés parce que j'ai potentiellement perdu le rush initial. Bon, rien de très compliqué, je suis juste revenu au spawner qu'on avait vu dans un épisode passé. Ensuite, il me fallait des pommes pour crafter des pommes d'or, donc du coup j'ai dû raser une forêt. Mais à la main c'était beaucoup trop long et ça en lootait pas assez, donc du coup j'ai dû me crafter une houe en diamant de bâtard, mais ça en valait la peine. Enfin, maintenant que j'ai mes potions de faiblesse et mes pommes d'or, je dois simplement ramener les PNJ à la maison. Donc du coup, j'ai utilisé ce pont que j'ai fabriqué avec de la terre. Bon, même si le village n'est pas très loin, quand je les ai enfin ramenés, je les ai fait tomber dans ce trou pour les mettre avec leurs collègues, pour ensuite les faire se faire bouffer par un zombie. Bougez-vous! Pardon. Pas vous donner un petit coup. Là, je les renomme tous d'un nom très recherché grâce à des étiquettes. Tous un petit nom. Voilà. Très petit pour le coup. Bon, maintenant que j'ai ramené mon zombie et qu'ils sont tous là, faites-vous bouffer. J'ai transformé les zombies villageois. Enfin, les villageois en zombies villageois, là. Il y en a un, il a looté une épée, le bougre. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais à chaque fois j'ai fait une fournée de 5 villageois d'un coup. Et pour éviter que la vidéo dure 45 minutes, je ne remonterai qu'une seule. Hein. Donc du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à leur mettre des potions de faiblesse, puis leur donner des pommes d'or, jusqu'à quand ils soient soignés. 3 fois de suite, chacun. Et après, ils seront tout gentils, on aura des jolies réductions. Bon, j'ai enfin fini. Même si c'était vraiment
vraiment long, ça en valait la peine. Bon, il y a beaucoup de PNJ, mais maintenant je vais enfin vous montrer à quoi ça ressemble en dessous. Alors même s'ils n'ont pas l'air d'être des plus solides, j'ai pas hésité sur les protections, deux portillons et trois trappes pour être sûr qu'il n'y ait pas un con qui décide de venir là. Alors, ici, la salle de torture. La salle de transformation de villageois en zombie villageois, puis en villageois. Ici, le petit coin stockage. Bon, rien de très très intéressant. Juste des coffres à livrer et à bordel. Jusqu'à le coffre tout en bas, où il y a les ressources que je peux échanger contre les villageois, qui sont vraiment très intéressantes et faciles à farmer. Ah oui, et après l'avoir utilisé, j'ai remis les blocs et le beacon dans mon hunter chest. Ou pas. Bon, maintenant, le plus important. Les PNJ. Bon, j'ai pas encore mis de panneau, mais je vais faire un rapide tour. C'était super long, mais je suis content d'avoir enfin fait ça. Donc maintenant, je pourrais avoir les enchantes que je veux, et Ruby aussi d'ailleurs. Et voilà. Bon, maintenant que tous mes villageois sont terminés, j'ai plus ou moins une ferme à émeraude infinie. Donc du coup, j'ai été dans le Nether pour tuer des Wither squelettes, pour pouvoir fumer le Wither, et donc pouvoir me crafter un beacon avec, pour pouvoir faire du gros terraforming. Attends, c'est pas possible qu'on en ait peur. La vie qui monte là, ouais. La vie qui va descendre. Easy win. Bon, maintenant que j'ai fumé le Wither, on fait un beacon avec toutes les ressources que j'ai pu trouver et échanger avec les PNJ. Bon, maintenant laissons place à la déco de leur nouvelle maison.
Moi j'ai vu un bateau. Moi j'ai vu un dauphin. Bon, ok, on peut quand même aller voir le bateau. Je me dis, il y a tout le monde, il y a du diamant dedans. Ou pas. Non, attends. Je veux trop savoir un truc. Ça fait quoi si. Là, maintenant. On peut pas monter dessus. On était déjà... Sneak. Attends. Vas-y. Remets-toi dessus. Vas-y, avance. Attends, je vais essayer de courir un peu. Vas-y, go. Reviens! Hop, un bateau dans la gueule. Ouais, on peut pas passer par derrière. Non! Non! qu'est-ce que je disais, moi, juste avant? Si tu trouves un squelette ou un zombie avec une armure en maille, il faut les fumer. Parce que c'est comme ça qu'on a des armures en maille, du coup. Et c'est bien? Non, mais c'est pour ma collection d'armures. Oh, attends. Descends tout en bas de la flotte. Bam, une géode. Je me demande comment on craft une longue vue. Une momie. Une longue vue. Je veux un biome désert pour les chameaux. Et aussi pour avoir un temple. Parce que dedans, maintenant, il y a du sable suspicieux. Et avec ça, tu peux... Ouais, je me souviens. Et faut éviter de marcher sur la case du milieu, sinon il y a tout qui explose. Mais ça fait depuis des années. Hein. Tu savais que si un éclair tombe sur une vache, ça fait une vache champie. Oh, un biome glace. Je vais récolter un petit peu. J'ai trouvé un de diamant. J'ai envie de fumer un ours polaire. Il m'a donné du poisson, mais comment ça se fait? C'est pas cohérent, monsieur. Pourquoi vous donnez du poisson? Ouais. Moi, je les ai fumés et en plus, ils ont brûlé. C'est qui le monstre, là? Tu le regardes agoniser pendant qu'il brûle. Je veux bien du coup. Oh! Attention, creeper! Mon bateau! J'ai paniqué, il a cassé mon bateau! Tant pis. Ah, grosse merde! Aide-moi! Il est ici, là. Bon, allez, on va le laisser. Oh, bébé vache. Je lui ai dit qu'on allait le laisser en vie. Tu l'as fumé? Ouais. Cruel! Crat, on a récupéré mes déchets! Nos déchets, c'est quand même des émeraudes. Hein. Ouais, je sais. Permettre de dire ça, je suis riche. Je suis riche, c'est moi qui ai fait les émeraudes. C'est moi qui peux les acheter. Oh, attends! Oh, il y a un temple! Cool! Est-ce qu'on le fait maintenant? Oui. J'en ai trouvé un boss. Je vais le fumer. Oui, pique un peu. Fais gaffe à ta vie, hein. Aïe. Je précise quand même ici que j'ai galéré pendant au moins 20 minutes à le trouver celui-là. Il était tout en haut, un peu caché, tu vois. C'est bon, il est mort. Donc maintenant, il faut juste attendre la fin du timer. Genre, moi, il me reste 2 minutes 45 et on peut tout casser. Abonnez-vous. Non, bouge. Je veux dropper ma merde, mais t'es devant. Et tortue. Ah. T'es cool! Bon, allez, y aller. Ah, j'ai failli tomber dedans. Je racle le sable. Je racle. C'est un lave-vitre version sable. Aïe! En tout cas, j'ai envie de faire un truc d'homme. Attends. Ouais, je rigole. J'ai voulu me taper contre un golem, il m'a soulevé. C'est moi le malin maintenant. Ah mais attends, t'as pas un cactus dans ton inventaire? Si. Oh moi mon cactus, c'est moi qui cassais le pot, c'est moi qui ai le pot dans mon inventaire. Je t'ai jeté mes déchets. Et tu... Écoute, tu... T'es lente, hein? J'avais faim. Ah! Non! C'est con, hein, ça? Ah, tu remontes comment, hein? Attends. Je crois pas que ça marche. Attends. Ah, non, j'ai pas le bateau. Bon, bah, hein. C'est vrai qu'on peut équiper un coffre sur un bateau? Ouais. Bito. Non, je le savais. Ok, je te crois. J'avais
J'ai déjà vu des vidéos. Mais t'as vu des vidéos. T'as toi qui as looté le bateau, je suis sûr. Mais je l'ai pas. Mais il est où? Attends, si, peut-être, vu que j'étais dessus. Ah, stop. Oh, y a une forêt de bambou, là. Oh, merde. Pourquoi je suis lent? Ah, mais c'est un désert, ça. Cool. Je vois du cactus. Tu t'amuses, là? Tu me fais mal. Arrête, j'ai perdu la moitié de ma vie. Sérieux? Bah. Oh, pardon. J'en ai partout. Regarde ma tête. Oh, le temple. Je l'ai vu. Bon, il est nul, c'est nul ce qu'il y a dans les coffres, mais bon. Oh, il y a plein de poudre à canon, c'est cool. Ah, Théma, viens voir. Tu vois le sable qu'il y a là? Il est un chouïa différent, non? Bah du coup, bam. Dedans, il y avait une émeraude, waouh. Bon, vu que c'était pas au même moment, j'ai oublié d'enregistrer le reste, mais j'ai trouvé un village et des chameaux. Alors, c'était très, très, très long à ramener. Mais maintenant, j'ai des chameaux! Ce serait pas ici que t'avais enterré la vache? Si. Elle a grandi, hein? On en fait quoi? On l'amène à la maison. Pour la peine, elle s'appellera Marguerite. Bon alors, vous vous demandez sûrement ce que je suis en train de faire et pourquoi on me voit en spectateur. Simplement, j'utilise le replay mode pour pouvoir enregistrer des jolies scènes un peu comme ça, même si elle n'est pas très mouvementée. Et du coup, là, je suis en train de farmer le truc le plus chiant de toute la maison, qui est des blocs de béton vert. Donc du coup, j'ai crafté le béton avec une ferme à cactus que j'ai crafté plus tôt. Là, je le fais tomber de très très haut pour faire une tour. Je précise quand même qu'au début, le béton est sous forme de sable que je vais mouiller pour après avoir le bloc que je veux. Et casser tout. Bon, maintenant, laissons place à la construction de la maison. Abonnez-vous. C'est un peu le bordel ces structures-là, tu vois, genre c'est... Il faut trouver comment rentrer, c'est un tas de cailloux un peu. On peut pas juste détruire. Si, mais je regardais s'il n'y avait pas une entrée. Bon bah hop. Alors, pour vous expliquer, ce qu'on est venu faire ici avec Ruby, ça s'appelle un bastion. Cette structure, elle sert pas à grand-chose, même si elle peut être relativement difficile, mais elle est utile pour un objet. Il me fallait, pour pouvoir améliorer nos armures en netherite, des modèles de forge. Enfin, minimum un pour après pouvoir le dupliquer. Mais ça, je montrerai plus tard. Et du coup, ce modèle se trouve dans une des salles, enfin, surtout dans un des coffres dans ces structures. Les coffres, s'il vous plaît, pour nourrir bébé. Oui. Ah, de mes souvenirs, il faisait plus mal. Ah, pardon. T'inquiète. Ah, mais je tape avec mon arc depuis tout à l'heure. Ça va pas faire beaucoup de dégâts. Je suis un peu de chercher, mais je vois pas trop ce qu'on pourrait looter le plus ici. Bon, maintenant je crois qu'il est temps de montrer l'intérieur de la maison. Alors pour commencer, petite cuisine un petit peu luxueuse avec une grande table. Sympathique. Ensuite, le petit coin salon. Alors, une petite bibliothèque de la nouvelle mise à jour et un salon de riche avec des enceintes en tête de Weezer. Ensuite, les chambres et chambres d'amis. Bon, certains endroits manquent un peu de déco, mais ici, la salle des trophées avec toutes les armures que j'ai galéré à avoir, surtout celles en maille, et qui sont toutes enchantées comme Jaja, comme mon armure à moi. Ensuite, les trophées tête de Weezer et futur dragon, l'émeraude pour ma richesse,
un petit hommage à Bébé Vache qui est décédé suite à un éclair. Tristesse. On enchaîne avec la table d'enchant slash bibliothèque. Le Serge est un peu craqué sur la bibliothèque, mais c'est tout mignon avec les enclumes et les désenchanteurs. Et pour finir avec le dernier étage, un aquarium fait par Ruby, avec beaucoup de poissons qu'elle a galéré à aller chercher très loin, donc un petit pouce bleu pour ça, s'il vous plaît. En avant-dernier, le meilleur, la salle des coffres. Bon, beaucoup de coffres, mais beaucoup de rangements. Et pour finir, c'est pas le plus intéressant, mais la salle des fours. Toujours pratique. Et ben voilà, c'est tout pour la décoration de la maison. Si elle vous a plu, bah du coup, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Bon, je profite de ce petit temps de creusage. Du coup, je profite de ce moment pour vous dire que c'était très très long de chercher toute la Nésorite et de trouver le bastion et de trouver les autres modèles pour pouvoir customiser les armures. Ça, on verra aussi dans la suite de l'épisode. Donc, pour le watch time, vous saurez plus tard dans l'épisode pourquoi je creuse. Et donc, du coup, maintenant, on craft l'armure. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer comment on duplique les modèles de forge. Alors, c'est simple. Il faut simplement faire un petit craft avec 7 diamants, un netherrack et le modèle de forge. Le nombre de fois qu'il vous en faut. Tu sais comment ça fonctionne pour trouver le portail? Non. Tu vois les yeux que j'ai dans ma main? Ouais. Je regarde le sol et après je lance. Comme ça, je vois vers quelle direction il va. Ah, il va dans la maison, ça se voit. Ah, il va exploser. Et je relancerai un autre un peu plus tard pour pas trop les gaspiller. C'est moi ou t'es lente? Ah, vous êtes qui, vous? Ils viennent de se faire frapper par la foudre. Mais y'a pas de foudre. Mais pourtant, je te jure, ils viennent de se faire frapper, ils étaient juste devant moi. Ouais, j'ai vu ça, mais c'est bizarre, y'a pas de... D'éclair ? Je te vois. Quoi ? Je te vois, te vois plus. Tchou ! Putain, désolé, je suis un peu enrhumé. Toujours par là-bas. Wouh! Aïe. Wouh! T'as réussi, toi? Ouais. Solo. Bon, la première fois, pas la deuxième. Mais, mon mouton. Quoi, il a péri? Oui, tu l'as fumé. Il a péri. L'ornithorynque. Ils sont où les coffres? Moi, je veux les piller. On a déjà tout ce qu'ils peuvent avoir et on veut encore en avoir plus? Oui. Nitoque, une technique pour tuer l'Underdragon, peut-être bien tu la connais. Les speedrunners, ils essaient de trouver un village dès le début. Ils chopent tous les lits qu'il y a dans le village. Et puis après, quand ils sont près de l'Underdragon, ils font. Le lit, il explose aussi dans l'end. Du coup. Ouais, je sais. C'est bon, je parle plus. Bon, attends, je vais essayer. Waouh. J'ai une grande pile. Conduis le bateau. Attends, d'abord. Ah merde, non, en fait, non. Conduis pas le bateau. Le jour, j'ai fait un prout, il me pique les yeux. Carrément, il pique les yeux. Arrête de zigzaguer dans les arbres. Ah, j'ai eu peur. Ah, grosse tasse. Plus du cul. Ah, je te vois, t'as essayé de me taper, là. Arrête ça. Alors, on a perdu les os. Pas sûr, c'est comme ça que ça marche, hein. Ah oui, par là-bas. Quand il descend, ça veut dire qu'il faut descendre. Ah. Bah super. Let's go, j'ai trouvé ce que je cherchais. Compte sur moi pour récupérer toutes les bibliothèques qu'il y a dedans. C'était quand même rapide, hein. En fait, c'est pas contre toi. Mais c'est plus rapide de monter directement en ligne droite et de mettre des blocs sous tes pieds que de faire ça. Bon, du coup... Ok, bah tu peux me rendre... Non, c'est bon, je suis... Tu peux me rendre la merde que tu m'as donnée, c'est ça? Quoi? Mais de quoi tu me parles? On dirait t'as posé un énorme caca. Il t'est arrivé quoi? T'as marché dans de la merde? Bah je sais pas, t'as eu mal? Ouf, coup dur. Quoi? Putain, il pleut des flèches, je comprends pas, c'est bizarre, hein. Ah ouais? T'as abusé comment il y a certains boulots, ils sont super grands, c'est pas pourquoi. Parce qu'ils travaillent dur. Punition pour plaque pas drôle. Punition pour comportement pas drôle. c'est le poulet que tu voulais taper? Bah oui. Bah ça va alors, tranquille. Je l'aurais pas fait intentionnellement. En tout cas, il est un peu grand le poulet avec une armure, mais... ça peut être... Porter à confusion, quoi. Tu la butes et tu fumes sa maison. T'imagines ça fait là, des bébés abeilles là? Ah ouais, tu sais comment ça s'appelle un bébé d'une abeille?
d'abeillon. Eh bah c'est faux, parce que j'en sais absolument rien. Ok, ok, ok. Si abattez les cochons. Si jamais tu me touches avant la maison, tu gagnes quelque chose. Putain. Oh, trop bien, j'ai vidéo pif en plus. Bon, ici depuis la 1.20.1, on peut custom des armures. Et donc du coup, après avoir fait quelques petits tests en créatif sur une map solo, j'ai trouvé l'armure parfaite. Et elle sera couleur améthyste. Malheureusement, les blocs d'améthyste ne marchent pas. Il faut des petits minerais d'améthyste. Et j'en avais pas. Super ! 2 hours later. Je disais donc. Touk, touk, touk et touk. Hé, regardez comment j'ai trouvé la classe. Bon, au total, l'armure m'a coûté 2 fois plus cher que celle coûte de base. Et on compte pas le prix de l'amélioration en netherite, mais c'est cool. Bon, maintenant la mine. Bon, je vous montre pas la construction parce qu'elle était pas ouf, mais voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Avant l'Under Dragon, on a décidé d'aller faire le manoir. De 1, parce que c'est cool, on l'aura fait. Et de 2, parce que avoir des petits totems, c'est sympathique. Enfin, donc pour le trouver, je me suis simplement fait un PNJ cartographe avec qui j'ai pu échanger une carte qui mène au manoir. Mais comme toujours, pour éviter que la vidéo dure 5 heures, je vous ai pas laissé tout le passage où on a cherché après. Hein. Ouais, c'est moi qui ai la carte. T'es sûr c'est par là-bas? Bah oui, là je suis au nord-ouest. Ah ok. J'ai l'impression qu'à l'avant on allait vers le nord-ouest et qu'on est parti. Là on est en train d'aller vers le. Que l'ouest. Ouais, mais comme j'ai dit, la boussole arrête pas de changer. Alors, oui, elle fait que bouger, mais en fait, on a compris après que la boussole ne nous mène pas vers le nord comme une vraie boussole, mais vers le centre de la carte. Donc du coup, on a littéralement tourné en rond. Bernard. Ça fait 2 fois que je rajoute des blocs. C'est quoi les petits animaux qu'il y a en dessous, là? C'est des poissons. On dirait des bébés dauphins. Mais pas du tout. Poule, poisson, très moche, genre des morues quoi. Toi la morue. Et oh. T'es moi la grosse pastèque là. J'avoue. Ah, pour moi le biome est en train de se charger sur la carte. Ah mais on le voit. T'as vu comme il est gros? Ah tu le vois pas. Ah moi je vois rien. Ah oui c'est bon je le vois. Faudrait qu'on trouve l'entrée, ce serait mieux. C'est... ici. Go. Bon, sachant qu'on est relativement loin dans l'aventure, il y a très peu de choses qui peuvent nous intéresser dans ce manoir, à l'exception de 2 choses. De 1, le totem de résurrection, et on veut trouver des allées. Ok, moi les miens, je les ai mis dans le salon. Pas bouger, maintenant vous allez arrêter de me casser les couilles. Continuez comme ça et je vous mets dans un aquarium. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Attends, je sais qu'en sautant, j'ai eu les 3/4. Parfait. On y va. Ah oui, t'attends pas dehors. Oh, ce mon partage est trop beau, le... l'end. Là, il faut faire du corps à corps. Et les autres domaines du corps après. Ah oui, j'avais pas vu. C'est vraiment en mode, heureusement qu'on m'écoute ici. Je veux la voir. Waouh.
Non, ça va réparer ma cloche. Qu'une seule boule d'XP, je la feu. Ça t'a donné combien d'XP? Ça a réparé ma pioche et ça m'a donné... Je suis au niveau 73. Bon, j'étais niveau 38, mais... Putain, mais... Mais ça va, on a XP illimité. Avec... Non, tu as XP illimité avec les villageois. Moi, j'ai rien. Attends, est-ce que t'en as... Ça aurait dû être pour moi. Et où ça qu'il est, l'œuf? Bah, quand t'as fait clic droit dessus, c'était P. Mais fais pas clic droit dessus. Opa. Passe-le moi, je veux atteindre cet objectif. Merci. T'as l'XP, je prends l'œuf. De toute façon, l'œuf il finira dans la maison, donc au fond, je m'en fous. Bon, maintenant qu'on a fumé le dragon, il nous reste plus qu'à aller chercher les élytras. Logiquement, c'est... Ah, ben je l'ai raté. C'est bon. J'ai réussi du premier coup, hein. Bon, première forteresse trouvée, malheureusement sans bateau. Mais on va quand même la fouiller. Ouais, bon, je t'avoue, je pars dans des directions un peu... que j'ai cru qu'on avait fini. Mais non, il y a pas un étage. T'as cru quoi? Je marche pas normalement là-dessus, hein. Tu vois, celle-là elle est un peu plus grosse. Et tu vois, il y a un bateau qui vole là. Ah, je peux pas arrêter de voler là. Bah non. C'est après le timer. Heureusement que je t'ai demandé de m'attendre pour le bateau. Ah merde, désolé. Mais oui, la tête du dragon qui va finir sur le dans le truc à trophée, hein. Bah oui. Ah, du coup, je donne les élytras. Quels élytras? Les trucs que t'as récupérés. Les ailes. Bah j'ai rien récupéré. Bah sur le tableau. Non. Mmh. Arrête de mytho là. C'est moi ou tu les as renommés? Non, je les ai enchantés. Je vais aller t'en chercher. Bon, maintenant que j'ai les élytras et que je peux voler, j'en veux plus. Alors... Donne-moi ton livre... avec deux livres. Je te donne déjà celle-là que... Cette paire-là, tu n'utilises pas. Tiens, celle-là, tu peux la mettre. Et tu prends tes feux d'artifice. Tu sais comment l'utiliser, les élytras? Oui. En gros, tu cours. Tu fais un double espace pour planer, comme ça, là. OK. Et quand tu fais un double espace, tu fais un clic droit avec tes élytras, enfin, avec le truc pour voler. OK. Et juste fais gaffe, enfin très gaffe. Si tu te prends un mur de pleine face, tu prends très très cher et tu peux vraiment facilement mourir. Donc essaie de faire des atterrissages en douceur. Comment j'atterris? Bah tu fais des... Tu regardes dans un sens, puis tu regardes dans l'autre, puis tu regardes dans l'autre et tu fais doucement quoi. Bon, maintenant qu'on a tous les deux nos élytras, on peut voler et donc aller en 0-0 pour aller chercher le portail pour rentrer à la maison. Wouh! On peut y aller? Et là, c'est techniquement la fin du jeu, mais bon, hein, c'est pas vraiment la fin. Maintenant qu'on est rentré, voilà le résultat des courses. C'est pas non plus exceptionnel, des têtes de dragon et du stuff en diamant. Bon, on va arrêter les bêtises, là, c'est bien le dive. Tu me laissais même pas le temps de mettre un coup, tiens. Hé hey ah Oh, c'est nul, tu me suis pas. Mais bah si. Bon,
pendant ce timelapse où je suis en train de construire un pont vers un endroit mystérieux qu'on verra au prochain épisode. Alors, depuis une des dernières mises à jour, le sniffer a été ajouté. Et donc, du coup, j'ai été en chercher un. Sur le trajet, j'ai croisé ça. Donc du coup, j'ai bien évidemment pris mes petites laisses et j'en ai ramené. Ensuite, je suis parti à la recherche d'un océan chaud pour pouvoir trouver ces petites structures, là où se trouve du sable suspicieux par exemple. Bien évidemment, je vous ai épargné toutes les autres structures et tous les autres sables suspicieux que j'ai fouillés ou j'en ai pas trouvé. Mais là, j'en ai trouvé un. Et avant de les faire éclore, je vous laisse avec la fin de la construction de ce pont. Bon. Maintenant que j'ai enfin mes œufs de sniffer. Pouk. Ils sont gros. Pouk. Et logiquement, vu que j'ai mis de la mousse en dessous, il devrait spawner d'ici 10 minutes, je crois, un truc comme ça. On va attendre. Oh, ils ont craqué. Vous pouvez éclore ? Let's go, le premier est né. Allez, le deuxième, s'il te plaît. Te fais pas attendre. Allez, mon ref. Tu peux le faire. Ouh. Alors, toi, ce sera Polo et toi, Hugo. Maintenant, c'est le moment terraforming. À la base, j'appelle ça une île, même si ce n'est pas vraiment une. Mais je vais justement remédier à ce problème. Bon bah voilà, maintenant on peut dire que c'est enfin une île. Bon, comme vous voyez derrière moi, il y a eu pas mal de changements. Alors, il y avait les enclos ici, on peut voir à ma droite. Ils étaient bien, mais ils étaient peut-être un peu trop simples, avec des petites bûches toutes simples et tout. Donc du coup, je me suis amusé. Alors déjà, on a plein d'animaux en plus, mais on verra après. Bam, c'est tout mignon avec des petits arbres, etc. J'ai mis de la végétation et j'ai fait ce design-là avec des bûches et des trucs roses partout. Du coup, maintenant, on a aussi... Bah, les loups, ils étaient déjà là, et les renards... Voilà. On a maintenant des chèvres. Ça c'est Ruby qui avait été les chercher, elles étaient en train de traîner dans la chambre. Mais on a des chèvres maintenant. Un petit biome neige un peu moche. On a aussi des... Mais qu'est-ce que tu fais là toi? On a aussi des sniffers. Je l'ai montré dans la dernière vidéo il me semble, mais ils étaient chiants à ramener. Hein. Et en plus ils ont pris 10 minutes à éclore. Waouh. Des vaches champies. Ça aussi c'était dans la dernière vidéo. Mais ils ont un petit enclos trop mignon avec des petits arbres que j'ai mis partout. Les chameaux. Et des lamas qui sont dedans, mais pourquoi pas, hein? Vous gênez pas, les refs. Et pour finir, petit chemin sous le pont, etc. Des tortues! Elles ont pris des années avec l'or, hein, mais j'ai des tortues. Et les chevaux, ils sont encore là-bas, ils attendent d'avoir un enclos. Bon, bah voilà. Ensuite, pour continuer sur les dernières modifications, alors en plus d'avoir rajouté des chemins à peu près partout, un petit truc sympa que j'ai fait, c'est un petit panneau d'affichage des trucs que j'ai à faire comme défi. Bon, il y en avait beaucoup plus, j'avoue que j'en ai fait quelques-uns. Mais tous les trucs que j'aimerais bien faire avant la fin du jeu, bon, ça, c'est des trucs relativement simples. Mais eux, là, par contre, ils vont être moins drôles. Faire tous les trophées, level 100, ça va, en vrai. Killing Warden, un peu chiant, mais le... Voilà, il est tout mignon, ce petit panneau. Bon, j'ai pas à faire que vous montrer les trucs toute la vidéo, donc là, on va aller refaire le dragon. Allez, hop, let's go. Ah, t'es déjà parti, ok. J'ai vraiment aucun respect. Y a plus de dragon, tu peux monter tranquillou. Hein. J'ai oublié de prendre des blocs. Oh, tiens. Oh! Merci. Pouilleuse. À ta place, je mettrai quand même mon plastron, parce que les Undermen, ils vont piquer. Mais je garderai aussi mes élytras dans la barre en dessous. Parce que n'oublie pas, quand tu fais clic droit, ça fait pouf, 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 pouf. Ah ouais, moi je savais pas. C'est cool, hein. Et de montrer comment on fait pour faire apparaître le dragon. Là, je mets l'œuf là. Ensuite, je mets un cristal là. Oui, un. Là, ne tape pas sur le cristal sinon on explose, puis un là, et puis un là, et boum. Ah, oula. C'est quand même abusé que le Warden me fait plus peur que le dragon, quoi. Aïe. Tu veux pas cracher le con, là. Ah mais tu chopes tout.
Ah, mon arc, il est au bout de sa vie. Vraiment, il doit lui rester un quart de vie, mon arc. Ah oui, donc c'était vraiment rapide, quoi. Je prends le truc d'XP, s'il te plaît. Y'en a qu'un. Bon, maintenant, je vais tout simplement vous montrer toutes les fermes que j'ai fait. Bon, j'avoue, j'aurais pu les montrer en épisode. Mais, vas-y, c'était des fermes, c'est pas très passionnant à faire, je trouve. Et, bah, voilà, en fait, j'ai pas d'autre excuse. Alors, ici, une ferme à abeilles. En vrai, j'ai pas voulu la vendre non plus parce qu'elle est pas ouf. Genre, c'est simplement des minecartes qui vont là-dessous, avec des observeurs qui voient les abeilles. Y'a trop d'abeilles, d'ailleurs. Et je les ai même renommées pour être sûr qu'elles disparaissent pas. Avec des lettres, hein, je me suis pas cassé la tête. Mais le problème, c'est qu'elle pue un peu du cul parce que, en fait, elle est censée récolter des fioles de miel, mais elle drop des fioles tout court. Donc, du coup, ben, elle est souvent à vide en termes de fioles dans les distributeurs là-bas. Genre, il n'y a plus de fioles. Mais en fait, cette ferme, bien qu'elle soit nulle, servait surtout à avoir des blocs de miel pour une ferme que je montrerai plus tard. Alors, derrière moi, c'est tout simplement une ferme à slime ball. Il m'en fallait aussi des blocs de slime, il m'en fallait en masse pour de diverses fermes en fait. Et donc du coup, c'est tout simple, c'est littéralement des slimes qui spawnent là-dedans, qui sont attirés par un golem de fer qui est là-dessous, enfin qui est là, il tombe là. Et pendant ce temps-là, moi je suis AFK là au-dessus. Je suis resté bien au moins une nuit là-dedans et en vrai ça ferme bien. Celle-là, je la mettrai dans la description. Alors, la ferme à miel et la ferme à slime, elles servaient surtout pour faire une ferme très importante pour mes constructions parce que bon, on va pas se mentir que le bois, c'est très chiant à farm. Mais du coup, elles servaient pour cette ferme. Alors, en gros, là-dedans, je mets de la poudre d'os. Ici, je reste ici à FK avec le clic droit pour mettre des pousses d'arbres. D'ailleurs, ça fonctionne pour le bouleau, pour le chêne et il me semble pour les sapins. Et bien évidemment, le bois, il se casse. Simplement un genre de bug de dupli qui fait que des TNT tombent à l'infini, comme ça, là, et cassent le bois. Ça casse et ça finit là. Et d'ailleurs, c'est pour ça les explosions un peu partout. Mais elle fonctionne super bien. Du coup, comme j'ai dit, je la mettrai en description. Alors, pour continuer dans les fermes qui concernent la maison, j'ai dû en faire deux. Alors, simplement une ferme à cactus pour le colorant des blocs verts et une ferme à squelette. Alors, tout simple. Le truc, c'est que vu qu'on était très bas au niveau de la bedrock, ben j'avais pas trop le choix de faire un minecart qui fait remonter les items pour après les faire tomber là-dedans. Et simplement, je reste AFK avant la nuit, c'est fini. Voilà quoi. Et ici, une petite ferme à cactus que je crois que j'avais déjà montré dans d'autres épisodes. Mais voilà, que j'en ai un peu trop. J'ai aussi un double coffre à la maison, j'en aurais plus jamais besoin. Ensuite, ici, c'est le spawn du monde. Et donc, du coup, c'est devenu très moche tout simplement parce que c'est une ferme à. Alors là-dedans il y a un petit zombie qui fait peur aux villageois et donc du coup ils font spawn des golems. Et si l'herbe est comme ça, c'est tout simplement pour pas qu'ils spawnent dessus et c'est pareil pour les dalles. Tout simple, les golems ils spawnent, ils tombent là-dedans, ils brûlent, ils meurent. Je la mettrai aussi dans la description cette ferme parce qu'elle fonctionne mais du feu de dieu. Et vu qu'elle est au spawn du monde, elle fonctionne tout le temps même quand je n'y suis pas. Genre tous les coffres sont remplis de fer. Ok. Ah oui, j'avais oublié, mais sur plus ou moins toute l'île, j'ai remplacé toutes les torches un peu moches par des tapis, qui sont littéralement des tapis avec une torche en dessous, mais vraiment une ferme toute simple aussi, avec encore une fois de la poudre d'os, mais bon, elle fonctionne beaucoup trop bien, et qui génère énormément de tout ce qui concerne la mousse, avec des azalées aussi, et beaucoup de graines. Très efficace, je la mettrai aussi en description. Ah oui, si vous vous demandez c'était quoi le tas de hoppers là et le bloc là au-dessus, j'ai tenté de faire un design de ferme à canne à sucre qui en soi devrait fonctionner, mais pas de fou. Du coup, elle, je la recommande pas. Mais d'ailleurs, j'ai même pas suivi de tuto, je l'ai fait moi-même. Ah oui, j'ai failli oublier une des fermes les plus importantes. Vous vous demandez sûrement ce que c'est et pourquoi c'est en plein milieu de la flotte. Ça, c'est tout simplement une ferme à poudre à canon qui sert pour crafter la masse de feu d'artifice. Et elle aussi, je la mets en description parce qu'elle fonctionne tellement bien. Ça fait la masse de poudre à canon. Et je suis resté qu'une nuit, alors les trois coffres là étaient remplis alors que je ne suis resté qu'une nuit. Hein. Du coup, pour qu'elle fonctionne, il faut simplement que j'aille AFK là-dessus, sur cette petite plateforme. Et elle fonctionne trop bien. Et pour finir, qui dans sa survie ne fait pas une super belle ferme à XP? Elle est un peu plus stressante à crafter, vu qu'on est littéralement au-dessus du vide. Mais je la mettrai aussi en description parce que, oh, ça, comment elle fonctionne bien. Oui, j'ai mis des feuillages partout pour être sûr de ne pas tomber. Cette ferme, c'est simplement une ferme Enderman. Ici, il spawn. Au centre, il y a un petit mob qui n'est pas très connu, qui s'appelle un Undermite qui spawn quand on lance plein d'Underperles, je vous montrerai là-bas. Et du coup, ils sont attirés, ils tombent, ils iront littéralement un demi-cœur, un truc comme ça, et bam, pouf! À mon avis, monter niveau 100, ça sera pas très dur avec cette ferme. Et ce bruit, c'est juste ce dispenser qui drop les underperles parce qu'il y en a un peu trop. Ça fonctionne trop bien, c'est trop bien. Bon bah voilà, je crois que j'ai fait un tour des fermes. Je vous mettrai celles qui fonctionnent en tout cas en description. Et bah pour le coup, c'est pas la dernière. Je compte aussi faire une ferme à or parce que j'adore être riche. Et quelques fermes un petit peu utiles, du genre, je sais pas moi, une ferme à fil. Mais j'aime bien l'idée d'automatiser le plus de ressources possible pour devenir riche.
Maintenant, un petit peu de build. Alors, pour avoir plus simple, j'ai décidé que je designais les constructions en créatif, puis après que je prenais le schéma grâce à un mode qui s'appelle Lightmatica, pour après les replacer bloc par bloc, que j'ai farmé dans tous les cas. Donc juste avant de vous laisser avec le timelapse, n'hésitez pas à me dire si vous préférez justement qu'il y en ait, ou que je fasse un avant-après grâce à la magie du montage, comme vous le sentez. Maintenant, laissons place à la construction. Bon, j'ai déjà installé le schématique, mais je vais quand même le montrer. Alors, ce sera tout simplement une ferme. Bon, j'ai déjà tout plein d'enclos à droite à gauche, mais en vrai, là-dedans, je pourrais mettre quelques petits trucs, genre une ferme à laine, je sais pas moi, des trucs d'exploitation de bouffe. Ça va être bien. Bon, maintenant, il reste plus qu'à la construire. Bon, bah du coup, j'ai réuni tous les matériaux. Ça fait beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, des shulkers. Mais en vrai, certes, il y a beaucoup de matériaux, mais des grandes quantités, pas beaucoup de matériaux tout court. Genre au fond, il y a bloc blanc, bois, pierre. Et c'est à peu près tout, quoi. Et des feuilles, oui, en masse. Mais sinon, au fond, il n'y a pas grand-chose de plus. Alors, un petit tour de magie. 3, 2, 1. Hop! Franchement, j'en suis plutôt fier de cette petite ferme. Elle fera le taf pour ranger les animaux que j'ai pas envie de faire des enclos et des machines. Donc, il y a 8 petits enclos, dont 4 qui sont déjà occupés. Et ils serviront pour récupérer les animaux que je n'ai pas encore pour un des objectifs. Ah oui, il faut qu'on en parle des lapins parce qu'ils m'ont fait chier, hein, eux. À un moment, j'étais parti chercher des ânes dans une montagne. Je trouve un âne, je trouve 2 lapins. Bon, j'ai pris les lapins parce que j'en ai aussi besoin. Mais du coup, après, j'ai retrouvé un autre âne. Autant eux, ça va, ils étaient pas chiants à ramener. Hein. Mais les lapins, déjà que c'est une merde à attacher. Après, il faut vraiment pas qu'ils se détachent, ça c'est compliqué. En n'ayant pas trouvé comment faire un joli escalier, j'ai fait un petit truc de redstone. Compliqué sa mère, hein, mais j'en suis fier. Et ici, l'étage est vide, donc voilà. Bon, si je suis ici, dans cet endroit inconnu avec beaucoup de pillagers, c'est... À la base, j'étais en train de chercher après un biome mangrove, d'où les petites slimes pour... reproduire des grenouilles. Et j'ai trouvé une tour de piégeurs que j'ai totalement détruit. Elle était juste derrière moi. Et là, le but, ça va être de fracasser des gens comme ça. J'ai un peu tourné, donc du coup, il y en a déjà... Il y en avait 2. Et donc, du coup, on va en fracasser 5, histoire d'avoir mauvais présage 5. Et après ça, ben, on ira faire un raid sur un petit village qui est aux alentours. Oh, mon ami. Let's go. Oh! J'ai vu ta petite bannière dépasser! Hé plus que un! Oh! Let's go! Bon bah maintenant que ça c'est fait, alors maintenant, trouver un village. Wouh! Vraiment, j'ai coupé le rush, juste quand j'ai coupé, j'ai trouvé le village. Oui, c'est une bonne idée ça, je crois que je vais prendre la cloche avec moi. J'ai vu comme quoi, si jamais ils spawnent à des endroits chelous, on fait clic droit sur la cloche et bah on sait où ils sont.
Oui. Laissez-moi vivre. Bah là, j'ai craqué un totem à mon avis. Hein. Bon bah voilà qui conclut ce raid qui fut quand même assez dangereux, hein. J'ai fini 2-3 fois à moins de 2 cœurs, mais bon vu que j'avais les totems, ça aurait été impossible que je meure. Bon bah voilà ce que j'ai looté pendant ce combat. C'est pas non plus folichon, mais au moins j'ai quelques totems en réserve, et ça me servira pour le prochain épisode. Bon, si je suis ici, c'est pour vous parler d'un de mes objectifs que j'ai envie de faire depuis un petit temps. Il n'a pas vraiment d'utilité, mais bon, pourquoi pas. Alors... j'ai envie de fumer 18 fois le dragon. Tout simplement parce que quand je l'aurai fumé 18 fois, il y aura 18 petits portails autour de l'île, genre qui vont former un cercle. Et c'est cool. Mais pour ça, il va me falloir un paquet de cristaux. Et donc du coup, un paquet de verre, un paquet de deuil de l'under et un paquet de l'herbe de ghast. Bon bah let's go farmer hein. Comment au montage c'est super court alors que ça m'a pris au moins une heure et demie à farmer cette arme. Bon, bah il me reste plus qu'à faire encore quelques petits yeux. Et là je crois que le compte est bon. Alors dans mes souvenirs le craft c'est... let's go. Enfin les 72 j'en aurai un peu en trop. Mais au moins si jamais j'en rate un ou 4. Fumer tous les dragons ça sert juste à une chose. Avoir les petites tours comme ça sur tout le contour. Ça va être bien. Bon bah let's go. Bon, je pense que vous vous doutez que 18 dragons, ça prend du temps de fou à faire. Donc je vous montre quand même le premier dragon, puis après, on va enchaîner. J'ai failli déjà rater le premier cristal. Tellement mieux l'épée. Logiquement en termes d'XP ça va être bien. Pourquoi je vais pas le taper? Petit aparté pour dire que pas une fois le dragon n'a ne serait-ce que failli me tuer, mais les Underman, ouf, c'était chaud. Bon, il se pourrait que dû à un problème que mon disque dur n'avait plus de place, après les 4 dragons là, je n'en ai plus. Mais je les ai quand même tous fumés, donc du coup, voilà, j'ai fini mon objectif. J'ai designé un autre bâtiment en créa, et là, on va le placer. Enfin, on va pas le placer parce que je l'ai déjà placé, mais... poup, poup, poup. Ça va être un restaurant. Bon, il va falloir que je terraforme un petit peu. Ouais, pas qu'un petit peu, mais bon, ça va être bien. Donc du coup, moi, je me pose là. Et 3, 2, 1, hop.
Et bah voilà, c'est fait, bah c'est tout beau maintenant. Alors, je vais quand même présenter la petite déco. Petite pizzeria avec, il me semble, 48 couverts. Sympathique, des petites nappes et tout. J'ai fait des bannières, hein. J'en suis fier. Alors, les cuisines avec une petite liste des pizzas qu'on vend. Avec un gros four à pizza. Mais bon, on fait pas dans les demi. Ouais, avec un petit étage. Poup. Et voilà. Voilà, je fais juste une petite aparté pour dire qu'en baladant, j'ai trouvé un perroquet. Bon, je pense que si je vole en Elytra, il va pas rester sur mon épaule, mais j'ai un perroquet. Bon, a priori, il reste accroché à moi. Si je suis ici, c'est pour une raison bien particulière. Bon, peut-être que le bâtiment à gauche en a pour quelque chose, mais... Ouais, je suis pas ici pour rien. En attendant que je crafte tout ce qu'il faut pour le Warden. Oui, j'en ai peur. Un petit timelapse. Bon, je profitais de ce petit temps pour vous détailler comment je vais faire avec le Warden. Enfin, juste avant, je précisais pourquoi je veux aller le faire. Alors c'est tout simple. Déjà, il me faut un enchantement qu'on trouve que dans les anciennes cités. Je veux aussi le disque qu'on trouve que dans les anciennes cités. Et pouvoir faire la boussole qui ne me servira pas vu que je suis en hardcore, mais je la veux. Ah oui, je veux aussi les modèles de forge qu'on trouve que là-bas. Du coup, premièrement, j'en ai préparé du stuff. Hein. J'ai pris des pommes dorées, des pommes de notch. J'ai pris au moins, je pense, 8 totems. J'ai pris des potions de soins, des potions de force et même des flèches de dégâts. Donc logiquement, si je dois le fight, ça devrait le faire. Je sais bien qu'il est très fort, mais je devrais réussir en fumer un, j'espère. Ensuite, niveau stratégie, bah je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que rester en sneak tout le temps, essayer de détruire les spawners et prier pour que ça passe. Puis au pire, on avisera. Ah oui, sinon n'hésitez pas à me proposer des idées de construction que je pourrais faire dans les prochains épisodes, j'avoue que j'ai plus d'idées moi. Ah, l'ancienne cité. Allez, on y va. Ah, ça fait peur! Je suis quasi sûr que la houe, ça va plus vite. Je vais prendre une houe. Oui, bon, j'avoue, j'ai toujours le plugin pour voir bien partout. Mais dès qu'il y aura un Warden, je verrai plus grand chose. Donc au fond. Oh, c'est grand en plus. Il y a là-bas un méchant. C'est un truc qu'il faut que je casse. Je pense que je vais d'abord casser tous les trucs que j'aime pas. Puis après, je looterai. Genre, c'est ces trucs-là qu'il faut que je casse. Si je suis en sneak, ils m'entendent pas. Hein. Oh, il y en a deux. Ah non, il y en a un. Ok, ça fait très peur. Ah ! Ok, c'est bon, je pars. Je sais pas où je suis, Parfait. Je veux pas le taper. Il me fait peur. Ouais, je pense en fait on va pas tout casser, on va plutôt. Mais je sais même pas s'il a spawn. Il y a eu les trucs noirs donc il a spawn logiquement, non? Ouais, on va aller looter. Hein. Les étiquettes, je m'en fous, je prends l'air facile. Bon, voilà. Ça fait trop peur l'ambiance, j'ai juré. Mais je pense que je vais aller chercher ce coffre. Mais juste avant, il faudra casser ce truc là. Y'a pas d'autre dans le coin. Vous avez rien entendu, ok? Il est tout en haut! Il va m'entendre si je fais ça. Si je réussis à ne pas faire spawn de Warden, c'est génial. Mais je peux pas le casser là. Ah, c'est quoi que d'ici? Bon, allez, on prend les torches bleues parce qu'elles sont bleues, c'est tout. Mais j'ai plus de place! Je connais tellement pas la structure, j'ai jamais été, moi j'ai peur. On va aller là-bas. J'aurais dû prendre de la laine. Moi au fond je veux juste les trucs qu'on peut looter que dans ce truc là. Genre l'enchantement pour les jambes là. Pour marcher plus vite là quand on sneak. Pas de coffre. Oh, il y en a là. Tiens, on va aller le casser tout doucement. Putain, il y en a deux. Ah non, il y en a un, ok. J'espère qu'il y en a qu'un. Trop peur quand il y en a un qui se peut. Ah, il y en a deux. Puis j'en casse un et je fouille. C'est sûr qu'il... Non, c'est sûr que l'autre il va s'activer. Il s'est pas activé. On le casse en deux spi. Non. Oh merde. Arrêtez. Oh, c'était juste un coup de pression. Ou peut-être pas.
C'est l'effet qui fait le pire, c'est... Arrêtez. Je l'ai entendu, il a spawn, je suis sûr il est là-bas. La question c'est, est-ce qu'il despawn? Bah monté ou quoi, il est où? Il y a des bruits flippants mais j'en vois pas. Ouais, je me rapproche du danger. Pourrais juste prendre les coffres en volant et me barrer hein. Non là c'est sûr, il y en a un. Je suis le laitier, mon lait est délicieux. Me casse hein. Non c'est mort mon ref, c'est mort. Il se rapproche, il va me terminer. Il veut me terminer. Non mais il m'entend, je veux rien savoir. Le truc c'est que j'ai peur qu'il me remette l'effet où on voit rien. Pire, vous savez quoi? J'ai peur. Est-ce qu'il vient? Mon ami. Il vient. Et l'Hoffman, c'est moi! La Calando, c'est moi! La cervelle de l'envoi! Ah! Il pique! Je sais pas où je suis. Mais wesh, il est horrible! Il m'a craqué un truc en deux coups! Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Aïe, je rigole mon ami. Et on va aller se cacher là au-dessus, on est bien là. Il me suit en plus hein, il me suit ce con. Mais wesh, il tire à travers tout. Je sais pas où je vais. Non, mauvaise idée d'être ici. Pas où il est. Bon, si je me retrouve ici, c'est tout con. Alors, il va falloir que je fasse des efforts là-dessus, j'avoue. Mais j'ai encore perdu des rushs parce que j'avais plus de place sur mon disque dur. Donc du coup, bah juste, je me suis fait casser la gueule jusqu'à ne plus avoir de totem. Et là, je suis rentré à la maison parce qu'il faut que je refarme, du coup. Bon, j'avoue, c'était peut-être pas la meilleure des idées pour looter une ancienne cité. Et d'ailleurs, il me manque encore des trucs pour crafter le CD et la boussole. Tout est dans les deux coffres qu'il y a derrière moi, ce que j'ai déjà looté. Mais là, j'ai fait spawn beaucoup trop de Warden, donc du coup, c'est devenu impossible de faire sans totem d'ailleurs. Ils m'ont bien détruit, hein, ils m'ont défoncé mes élytras, et j'ai plus que un totem. J'ai plus de pommes, et c'est la merde. Donc, du coup, bah, j'ai dû déjà aller réparer ça. Et crafter des pommes. Et je vais aller faire un raid pour récupérer des totems. Et je vais utiliser un logiciel que j'aime beaucoup pour trouver notre ancienne cité et essayer de la faire furtive parce que là c'est. Waouh! C'est la merde. Bon. J'ai été faire un raid level 5. Ce qui fait que maintenant j'ai un peu plus de totems et un paquet de bordel qu'il va falloir que je range. Et j'ai réparé mes élytras. Donc du coup, il ne reste plus qu'à crafter des pommes d'or et on y retourne. Bon, du coup, pour ce round 2, j'ai décidé de faire autrement. Alors, j'ai pris que des totems et des pommes avec moi, j'ai pas pris de potions. Pas besoin d'encombrer mon inventaire, dans tous les cas, je les utiliserai pas. Ah oui, d'ailleurs, j'ai rajouté, vu que j'en ai looté juste avant, l'enchant furtivité rapide. D'ailleurs, ça m'a coûté 15 niveaux, hein. Mais au moins maintenant, quand je sneak, ça fait waouh. Je suis une fusée quand je suis en sneak. Tant qu'il n'y en a pas deux l'un à côté des autres, ça devrait le faire. Plus j'en casse, moins il y en a. Moi, j'ai peur. Là-bas, il y en a deux l'un côté des autres, c'est horrible. Bon, plus tard. Ouh, à chaque fois, mon cœur, il s'arrête. J'ai le doigt enfoncé dans la touche sneak, c'est incroyable. Vraiment, il est à travers le clavier, là. Si on casse les deux en même temps, très vite. Oh, let's go, deux fragments et une shard, ça, c'est très bien. Pour un premier coffre, c'est très très bien. Bon bah on va rester sur cette stratégie pour l'instant et on verra bien ce que ça donne. Hein. Let's go, pour l'instant tout va bien. Là ça va pas bien. Il y en a deux. Oh merde. Il y en a un qui a spawné. Mais je peux continuer de les casser. Logiquement ça devrait faire le taf comme ça quand même. J'ai très très peur. Mais lui il a pas l'air de venir donc ça devrait le faire pour l'instant. Mais là il y en a trois, c'est une blague. Y'a aucun espoir. Mais y'en a 4! Bon.
On les casse et on fouille en Elytra. Je pense que j'ai tous les cassés et me barrer très vite. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon, j'en ai cassé 5, c'est bien. Au fond, il y en a, mais ils savent pas où je suis et ça va pour l'instant. Tant que je reste en stick, ça va. Ok, pas de shard, pas cool. J'ai pas envie de retourner vers eux, j'ai peur. J'ai pas envie de... Là, je suis pas sûr de réussir à les casser. Ok, bon, j'ai paniqué. Copain, pas là. Je suis parti. Tu me vois pas, tu m'entends pas. Moi j'ai pas la base, salut. Oh merde. Il me suit, hein. Il me suit. Je joue avec le feu, puissance 20 milliards là. Non, je peux peur. Ah, on fuit. Bon, alors, c'était long. Mais à un point monumental. Bon, d'accord, quand on est en slick maintenant, je vais plus rapidement qu'avant, ça c'est sûr. Mais avancer tout doucement, les casser un par un, éviter les wardens que j'ai fait spawner, puis m'envoler parce que finalement je les ai attirés, ils ont commencé à me taper. Bon, j'ai perdu quand même quelques totems. Mais ça va, je les ai pas tous perdus, j'ai réussi à rester assez sneaky pendant toute l'ancienne cité. Et du coup, bah, dans les deux anciennes cités, j'ai looté tout ça. Alors, j'ai quand même looté des modèles de forge, c'est cool. Les minerais des éclats. J'ai eu de l'argent, j'ai pile poil le nombre qu'il m'en faut. Enfin, je crois qu'il m'en fallait 8 ou 9, je sais plus, mais j'ai ce qu'il faut. Et pareil pour les fragments de disques, je suis content. Du coup, un paquet de bordel avec des livres furtivité, mais bon, maintenant que j'en ai sur mes jambes, bah, ils ne serviront à rien les autres. Et ça aussi. Mais bon, on va dire que dans cette cité, le plus intéressant pour moi, c'était les trucs que j'avais pas, c'est-à-dire. Ça et ça. Enfin d'ailleurs j'ai aussi les hurleurs, je sais pas que ça s'appelait comme ça en français, j'avais pas vu. Mais j'ai envie d'en mettre quelque part en mode décoration, mais j'ai trop peur que ça en fasse spawner dans la maison. Donc du coup, ouais, on mettra peut-être ce truc là, ou non, on mettra un cadre, c'est bien, bien un cadre. Je vais enfin pouvoir rayer l'objectif du Warden et de l'ancienne cité sur ma... mon affiche à truc à faire. Bah donc du coup, tout ce qui concerne le Warden et l'ancienne cité, c'est good. Je n'y remettrai plus jamais les pieds. Bon, pour le prochain build, peut-être que j'ai vu un peu grand, ça se voit au cadre qui est derrière moi. Mais là maintenant c'est comme ça, hop, un petit tour de magie et pouf. Et bah voilà, c'est terminé. J'ai peut-être vu un peu grand sur la taille du portail, mais au moins il est fini. Donc du coup maintenant, on va aller l'allumer. Pouf. Ah, j'ai peur que j'ai oublié un bloc d'obsidienne. La question est, où est-ce qu'il m'amène? Ah, bah toujours au même endroit, c'est parfait. Mais le retour. Ah. Oh. Bah c'est super. Non, en vrai j'avoue que ça fait un peu tâche, mais c'est pas grave. J'en suis content. Ouais, non, ça fait tâche. Mais tant pis, je le bougerai pas. Bon, si je me retrouve ici, c'est pour une raison bien particulière. Alors là, je suis littéralement, si je me trompe pas, l'endroit le plus haut dans le Nether, dans le bon biome, bien évidemment, où je peux faire une ferme à or. Donc du coup, maintenant, il me reste plus qu'à prendre mes petites underperles avec une petite échelle, arriver au-dessus de la bedrock, et bah j'ai tout dans mes petites shulker box ici pour pouvoir faire une jolie ferme bien bien longue à faire, mais très très cool. Je sais pas du tout si ça va fonctionner. Je crois qu'il faut viser dans le coin. Ouh, premier coup, let's go. Heureusement que j'ai bien pensé à prendre le portail, sinon j'aurais littéralement été bloqué ici. Pour toujours. Pour être sûr que tout bien, rentre bien dans le bon biome, on va décaler genre... Touk. Parfait. Déjà, on va poser le portail parce que moi, ça me fait peur tout ça. J'ai envie de pouvoir rentrer quand même. Touk. Nope. Merde. Heureusement que j'ai une bonne pioche. Poup. Poup. Bon, allez. Ah, c'est loin, hein. Bon, vu qu'on était super loin de la maison avec l'autre, j'ai décidé de rapprocher le portail. Et donc du coup, on va découvrir là où on arrive. Hein. Ah, je pense que c'est couche 236. Bon, je vais monter, puis après je vous retrouve. Je suis monté tout en haut, on est en couche 236. Et j'ai placé le schéma. Vous voyez déjà la zone que ça fait. C'est quand même relativement bon. Alors la ferme, elle rigole pas. Bam. Ça va être chouette à construire tout ça. Ça va être très chouette, hein. Vraiment. Bon, bah du coup, on va commencer. Hein. Ah non, toi tu vas pas commencer à me saouler. Hein. Tu dégages. Oh, je suis peur. J'avais oublié qu'il y avait du vide. Ah, faut pas se fier au bloc de verre, putain. Allez, c'est parti.
Bon, la ferme est terminée. Et je crois que ça se voit, elle fonctionne relativement bien, là, on est d'accord. Bon, il y a eu quelques petits problèmes. Logiquement, il était censé avoir 3 étages de magma bloc. Mais peut-être que j'ai placé le schématique un peu trop haut. Donc du coup, en fait, le 4e étage, je l'avais fait en magma bloc. Puis je me suis rendu compte que des magma cubes spawnaient. Et bah donc du coup, j'ai dû casser pour mettre des blocs de verre. Comme ça, ils spawnent pas, les ghasts non plus, c'est bien, c'est cool. Mais on va dire que ce sera un peu moins rentable dû au fait qu'il y a un étage en moins. Fait tout plein de tri automatique. Tout là, il y en a 4 différents et du coup tout arrive par là et est trié et du coup il y a des lingots d'or. Bon, les 2 coffres là ils seront remplis en dernier, c'est d'abord celui-là et là j'ai vraiment lancé la ferme depuis je sais pas moi 1 minute, donc je pense que en laissant quelques heures tourner c'est rempli. Par contre le seul truc que je me suis dit c'est en fait j'ai l'impression que l'XP ne passe pas. Des fois quand je vais dans certains coins je réussis à en avoir, mais ah peut-être que j'ai mis les trappes un peu trop haut. Bof. Au pire, je réglerai ça plus tard. En attendant, la ferme, elle fonctionne! Bon, si je me retrouve ici, perché sur ce petit toit, c'est parce que j'ai fait un nouveau bâtiment. D'ailleurs, on voit derrière que j'ai un peu aplani la zone pour que ça passe parfaitement. Et bien évidemment, je l'ai déjà passé. Du coup, pouf! 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 Hé hé! Alors, je vous dis pas encore à quoi il va servir ce bâtiment, mais maintenant, on va le faire! Bon, du coup, j'ai profité de ce timelapse pour discuter de ce fameux succès que j'ai parlé en début d'épisode. Alors, si on y regarde bien, j'ai déjà les chèvres, les vaches, les moutons, les poulets, les sniffers, les chiens et les renards, les chats, les tortues, les chameaux, les vaches champignons, les lapins, les cochons, les mules, les ânes et les chevaux. Donc du coup, j'en ai déjà pas mal, même si je les ai pas tous fait reproduire, mais il va m'en manquer un paquet. Mais il va manquer les arpenteurs, les oglines, les grenouilles, les axolotes, les oslots, les pandas et les lamas. Donc du coup, je vais justement aller les chercher aujourd'hui, sauf les 2 premiers parce que je peux pas les faire sortir du nether. Bon, le bâtiment est fini. J'en suis quand même assez fier, hein. Il est tout beau. Mais ce qui est beau aussi, c'est à l'intérieur. Alors du coup, si l'architecture est un peu arrondie comme ça et tout, c'est pas pour rien. Regardez-moi ça. Bam! Une petite carte, c'est relatif, hein. Une carte qui englobe toute l'île et tous les alentours. Il y a même la ferme à Gunpowder ici. Là, il y a les fermes à bois, là, il y a tous les ponts et tout. Je sais pas pourquoi il y a des petits points verts un peu partout. Mais, je suis content, elle est immense cette carte, et elle m'a pris beaucoup de temps, c'est du 7x7. Et le pire là-dedans, c'était pas non plus de la faire, c'était surtout de se retrouver. Parce que, des cartes comme ça, ça prend vite beaucoup de place dans l'inventaire, et il m'a fallu plusieurs shulker box, mais j'en suis content. Voilà, bon, si je vous retrouve ici, c'est pour une raison un peu particulière. Alors, il y a eu quelques petits changements au niveau de la ferme, j'ai dû retirer les trappes là au-dessus. J'ai retiré un étage de verre, de meule et de trucs. La ferme avait du mal des fois à fonctionner, savoir pourquoi, mais il spawnait, mais il venait pas sur moi. C'est réparé, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne pas que un peu bien. J'ai crafté un paquet de blocs avec toutes ces conneries, j'ai fermé pendant un petit temps. Du coup, bam, là, c'est les blocs que j'ai craftés. Et encore, on ne serait-ce qu'une petite heure à mon avis, il y a ça dans tous les coffres. C'est pas fini. Parce que en plus des pépites, il y a aussi les lingots. Mais ça, ce n'est que le petit de l'histoire. Certes, j'ai beaucoup d'or, mais l'or au fond ne me servira pas beaucoup. Et qu'est-ce qui pourrait me servir encore moins? 321 niveaux. Waouh! Mais bon, au moins, j'ai réussi mon défi des 100 niveaux. Ça, c'est déjà fait. Et j'ai réussi exposant 3, hein, très clairement. Bon, tant que je suis dans le nether, j'en profite pour commencer mon objectif. Bon, malheureusement, concernant l'ogline et l'arpenteur, ça va pas être possible de les ramener à la maison parce que déjà, l'ogline, il va se transformer. Et j'ai la flemme. Donc du coup, on va juste les faire reproduire dans le nether. Et c'est bien. Bon, maintenant, si je me retrouve ici, c'est simplement parce que il me semble que dans la grotte derrière moi, il y a tout au bout un biome Lush Cave, là où je pourrais trouver des axolotes. Du coup, je vais y aller. Bon, j'ai pas trouvé le biome Lush Cave à partir de la grotte. Donc on va simplement se balader et espérer tomber sur un petit arbre à la surface qui indique qu'il y a une Lush Cave en dessous et... on verra bien. Bon, les axolotes, c'est fait, j'en ai pris 4. Bon, maintenant, après avoir attendu au moins 40 minutes, j'ai trouvé des oslots. Bon, j'en ai déjà mis un dans un bateau, mais j'en ai enfin un deuxième. Le pire, c'est que c'est... c'est chiant à les attraper, hein. Surtout, là, ça va, j'étais sur une petite plaine, hein. Mais quand t'es sur... dans la jungle, c'est galère. Bon, je suis enfin de retour à la maison, je vais les mettre dans un enclos dans la ferme, très clairement, j'ai la flemme de faire mieux. Par contre, heureusement, du côté de la ferme à bois, il y a un giga-océan qui mène à tout plein de biomes, dont un biome jungle. Donc du coup, j'ai pas galéré à les ramener sur la terre, j'ai surtout été en bateau en fait, c'était relativement simple. Ensuite, j'ai été dans un biome mangrove pour simplement faire reproduire des grenouilles, pour pouvoir récupérer des têtards et les faire grandir dans les différents biomes pour avoir les différentes grenouilles. Ici, je me retrouve avec des grenouilles vertes parce que j'ai pris les têtards que j'ai fait grandir dans un biome froid par là-bas,
Et bah du coup voilà, je les ai ramenés à la maison. Et là j'ai des grenouilles blanches parce que j'ai fait grandir les têtards dans le biome savane là derrière. Et là on rentre à la maison, là où je pourrais faire grandir des grenouilles normales dans un biome tempéré. Ensuite je suis retourné dans le biome savane pour y trouver des lamas qui ont pris du temps à spawner mais au moins je les ai. Et franchement je suis trop content de la seed de ma map parce que tous les biomes où pouvaient spawner des animaux relativement chiants à ramener, il y a un océan qui les relie à la maison. Donc du coup j'ai juste à les mettre sur le bateau, enfin non, j'ai juste à me mettre sur le bateau et à les tirer et c'est trop bien. Voilà, je les ai ramenés à la maison et je les ai mis dans la ferme, j'avais pas envie de me casser la tête à leur faire un enclos, en tout cas pas pour l'instant. Mais maintenant il me reste un animal à ramener à la maison qui est vraiment chiant, le panda. Bon, ça devrait être relativement plus simple que je le croyais pour le panda. Bon, j'en ai pas encore trouvé, il faut le temps que ça spawn, je pense. Mais entre la maison et ici, là, au fond, il y a que les coordonnées X qui bougent. Genre le Z, je suis vraiment en 700, enfin en moins 700 moi de base. Du coup, il y a beaucoup de blocs à faire, mais c'est une ligne droite et il y a que de l'océan entre. Il faut faire une petite déviation, mais il y a que de l'océan. Donc en soi, j'ai regardé en créatif, je peux mettre un panda dans mon bateau. Donc ça devrait être plus simple que prévu, mais maintenant il faut en trouver un quoi. Vous pouvez pas spawner s'il vous plaît. Ah moi j'ai cassé toute la forêt là. Oh mon ami, comment tu vas toi? Mais tiens, tu viens. Oh voilà. On va aller par là-bas. Ouais par contre mon ref, t'es lent hein. Ouais bon gros, tu veux gagner fort là. Ah voilà. Bon, fais un petit tunnel. T'inquiète, ça va bien se passer. Yay. Let's go. Bon bah du coup je retrouve quand j'en ai trouvé un deuxième hein, parce que bon j'ai bien dû attendre 40 minutes avant qu'il y en ait un qui spawn donc bon, maintenant que j'ai mes deux pandas, bah on va les ramener hein. Ce truc c'est que bon je ramène un par un parce que ben je voulais juste les prendre en laisse mais j'ai oublié que je peux pas faire ça. Donc du coup bah on va juste faire deux fois le trajet, ça va c'est qu'il y a un millier de blocs mais... Tant qu'il y a de l'eau, ça passe. Autant la flotte, c'était sympa. Mais purée, le faire suivre comme ça, waouh, il est lent. C'est tout là-bas qu'il faut aller. Couille-toi. Il faut aller chercher ton pote après. Ouh, vous me voyez pas, vous là-bas. C'était loin de moi et mon panda. Bon c'est bon, je l'ai ramené, je l'ai mis dans un bateau parce que bah on peut pas lui mettre de laisse. Et le temps d'avoir, de ramener l'autre en fait, et de le refaire en enclos, tu vas rester là, ok? Et tu t'appelleras Po. Bon allez, je vais chercher l'autre. MDR, je viens de me rendre compte que on dirait il est vénère avec ses sourcils là. Il veut me mave. Eh, ah non c'est sûr il est vénère, il veut me tuer. Ouais bon en fait je me dis que le faire traverser le pont pour après les faire marcher c'est un peu plus long alors que je peux simplement faire bam. Et vu que toute l'île est entourée de rivières, je vais rentrer dans le... Oui voilà. Vu que toute l'île est entourée, bah j'ai juste à faire un petit tour et bah je serai plus proche de la ferme. Bon, on va aller là, c'est le plus rentable. Je sais que je peux vous mettre dans le même bateau, bah tant pis. Allez voilà, ça c'est fait. Bon, c'était long mais... J'ai enfin ramené les pandas et j'ai fait le petit enclos. Alors j'ai mis des bambous partout, j'ai fait des petits des arbres. Mais du coup il y a mon petit panda fâché là. Et ici il y a le panda qui s'appellera Po. Mais au moins maintenant je pense avoir tous les animaux pour pouvoir tous les reproduire et finir ce défi. Donc maintenant ben on va faire des bébés hein. Alors, pour pouvoir faire reproduire les sniffers, il faut des graines spécifiques que les eux-mêmes lootent, donc. Oh bah j'ai simplement fait un petit système avec des minecarts et des hoppers pour qu'ils me les donnent. Et donc du coup, j'ai 6 graines comme ça et 3 graines comme ça. Bon, c'est pas non plus incroyable, mais bon, j'ai pas attendu très longtemps, et dans tous les cas, il m'en fallait, il me semble, que 2. Bon, maintenant que j'ai logiquement tous mes animaux, on va les faire produire. Bon, j'ai une petite liste, donc du coup, on va les faire un par un, mais là, on commence par les loups.
toi et toi. Vous allez direct poser l'œuf ou... Let's go! Ah, il va donner l'œuf. J'ai enregistré ce passage le jour de Noël, donc petit aparté sur ça. Alors, pour l'event de Noël, je sais absolument pas ce qu'il y a sur Minecraft, mais par contre, les coffres ont changé. Genre, les coffres simples sont rouges tout beaux, et les coffres doubles sont verts tout moches. Donc ma salle des coffres, ah, elle est un peu moins belle tout d'un coup. Elle a pris un petit coup. Mais bon, on va faire avec, logiquement ça ne devrait pas rester longtemps, j'espère. Alors, si je suis ici, c'est pour vous montrer un petit truc. Alors oui, j'ai fait reproduire les grenouilles, pas au même moment dans la vidéo, mais je les ai fait reproduire. Du coup, j'ai tout plein de grenouilles oranges. J'avais oublié que du coup, dans le biome tempéré, il n'y a que des oranges qui spawnent. Mais par contre, s'il n'y a plus beaucoup des vertes et des blanches, c'est pour une autre raison. Bon, j'ai dû en refaire parce que... ouais, mais... Regardez-moi ça. Bon, sur Minecraft, il y a un succès qui est de avoir toutes les froglites sur soi dans son inventaire. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai des grenouilles, j'ai de la redstone, une ferme à froglites. Alors, je n'en utilise pas du tout. Mais maintenant, j'en ai plein. C'est là du coup que toutes mes grenouilles sont parties. Il y en a beaucoup. Et donc du coup, ça m'en fait un paquet quand même de froglites. Bon là, je viens de les récolter, donc du coup, il n'y a plus grand-chose. Mais ça fait un peu toutes les froglites et tout, que j'utiliserai jamais. Et ça fait aussi des magma... Mais j'utiliserai pas beaucoup. Mais en gros, le concept c'est juste. Ben moi j'attends là au-dessus. Il y a des slimes qui spawnent. Il y a des iron golems au milieu qui, bah du coup, ils vont se taper. Les iron golems les cassent, ça fait des petits slimes. Et les grenouilles les bouffent. Bon, si on se retrouve ici, c'est pour un truc tout simple. Là, je suis en train de faire le trophée où il faut manger toutes les sortes de nourriture. Et je me suis dit, aller dans un désert avec un zombie qui met l'effet de faim, ce serait le plus rentable. Donc, bah voilà. Bon, le temps que je suis en train de manger tout ça, je me suis dit que je pouvais vous montrer un autre objectif. Alors, il y a un défi, il faut avoir, il me semble, une dizaine de modèles de forge. Et donc du coup, ben, je me suis dit, quitte à en avoir une dizaine, autant tout avoir. Le premier que j'ai été chercher, c'était le modèle de forge des éclaireurs. Et lui, il se trouvait dans un village enfoui qu'il y a dans la toute dernière version. Ensuite, j'ai été chercher le modèle de forge des marais, qui est le seul qu'on ne trouve pas, qu'on doit tuer un boss pour l'avoir. Et bah, j'ai pas filmé, mais voilà. Et pour finir, celle qui m'a fait le plus galérer... Le modèle de forge du silence. Qu'est-ce qui m'a fait chier celui-là, vraiment? J'ai dû faire au moins 3 à 4 anciennes cités différentes pour le trouver. Bon voilà, il reste plus que le dernier à manger, et celui-là, je vous avouerai qu'il m'a vraiment fait peur. J'ai pris cher. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça, mais quand je vous dis qu'il en a fallu que j'en fasse des anciennes cités pour l'avoir, cette template, vraiment beaucoup! 16 pommes en or! J'en ai looté des pantalons hein, et des houes, mais vas-y la flemme, hein, franchement, j'allais pas en prendre 45. Bon, du coup, vous l'avez vu dans le début de l'épisode, j'ai farmé pour avoir toutes les templates. Je les ai donc dans ma petite boîte à gauche là. Et ben, bah, autant les avoir, autant les mettre quelque part. Donc, du coup. Alors, j'avoue, j'avais la flemme de faire un truc stylé. Juste mis les petits présentoirs là. Et bam! 3, 2, 1. Bam! Bon bah. Voilà, c'est pas forcément non plus incroyable, mais au moins ils sont tous là. Bon, peut-être bien que je mettrai un peu de déco et tout, mais... Non, je rigole. Bon, allez hop, timelapse! Bon bah voilà, le bâtiment il est terminé. Ah il est, en vrai il est grand et j'en suis fier hein, parce que tout le contour là, waouh, ça m'a coûté beaucoup de matériaux. Mais donc du coup ici c'est le bâtiment, le musée des templates. Ici il y a toutes celles avec des blocs de terracotta en dessous. Ouais je sais plus comment on dit en français, mais il y en a 4 ici.
Alors, ici, il y a celles qui sont un peu plus rares, on va dire vite fait, avec de la pierre et celles de la jungle. Et je savais pas où les mettre. Et en haut, bien évidemment, les plus importantes, celles de l'End et du Nether. Encore de l'End et de du temple aquatique. Et bien évidemment, celles qui sont les plus chiantes et qui font le plus peur de l'ancienne cité. Oui, j'en suis fier de celle-là, elle m'a pris beaucoup de temps à faire. Mais voilà, je suis content de ce bâtiment, il était long, mais il est beau et il est grand. Bon, si je suis ici, c'est encore une fois pour un autre trophée. Alors là, le but est simplement de voler grâce aux petites boules de shulker jusqu'à, je crois, 50 blocs d'eau, un truc comme ça. Et bah voilà. Bon bah voilà, un autre trophée de plus de fini, il m'en reste plus beaucoup. Bon, alors ici il va y avoir un nouveau bâtiment. Oui, j'ai déjà posé les piliers, mais bon, histoire de pouvoir me repérer, etc. Voilà. J'avoue, je pensais que ce serait le bâtiment pour les mineurs, mais en vrai, j'en ai fait un autre qui sera sympa, mais plus tard. Allez, petit tour de magie. 3, 2, 1, pouf! Voilà qui est fait. Bon, j'avoue, j'aurais peut-être pu prendre un angle un peu plus grand, histoire qu'on voit un peu mieux, mais... Ah, je suis content. C'est très grand pour le coup. Et en plus, ça fait une petite arche, tranquillou, comme ça, où on peut passer. C'est vraiment cool. Ici, je sais pas ce qu'il y aura, mais... Ouais, ça va être bien. Bah voilà, au moins, ça habille un peu plus mon petit village. Bon, c'est tout con, mais je veux avoir une pièce, enfin pas une pièce, un bâtiment, où j'ai tous les minerais. D'où le bâtiment des mineurs. Sous toutes les versions, donc en Deep Slate et en normal. Bon, le même, c'est que j'en ai pas beaucoup. J'ai que ça. Ouais. Mais non, du coup, on va aller en farmer. Wouh ! Bon, on va pas se mentir qu'ici, ça va. J'ai pas eu trop de galère à trouver ce que je cherchais. Bon, j'ai pas du tout tout. Pas du tout. Ouais, j'ai pas tout. Il manque encore le diamant normal et les émeraudes. Et je crois que j'ai tous les minerais. Je suis pas sûr, je regarderai après. Mais ah là, il faudrait trouver un diamant normal et les émeraudes. L'émeraude en pierre normale, ça devrait le faire. Mais la deep slate, ouf, ça va être moins drôle. Effectivement, je confirme, c'est pas drôle du tout. Surtout quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais peut-être pu mettre un beacon pour essayer d'aller plus vite. Ça, c'est fait. Bon, bah maintenant, il reste plus qu'à creuser. En vrai, j'ai presque la haine parce que pendant tout le temps, je creusais lentement à la pioche, rien du tout. Par contre, dès que je sors le beacon et que je peux creuser vite, bah tiens. Dis mon ref, tu saurais pas où je pourrais mettre un bâtiment, genre pour mettre des minerais et tout, genre, tu vois, les minerais de chaque... Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Par là-bas? Ok, non, par là-bas, je crois, il y a vraiment pas de place. Tu t'en fous. Ah, ok, donc tu es une vache. Hein? Ok. Ah non, tu n'es plus une vache. Tu as changé d'avis. Tu rechanges d'avis. Hé hey, pas avec bébé comme ça, là, hein. T'as dit quoi? À gauche. Eh, hey, mais il était pas là avant, ce bâtiment. Genre, on va aller voir, pour être sûr. Parce que petit chemin, en plus. Waouh. Ah, ok, donc c'est ici, le bâtiment. Bon, c'est bon, j'arrête l'impro. Ah, du coup, voilà, le petit bâtiment. Il y a tous les minerais. J'ai même mis les minerais... Oula, les minerais du Nether. La netherite était chiante à trouver. Mais le pire, c'était... Toi. Ah, j'ai galéré, hein. J'ai dû aller très loin dans une montagne pour après mettre un beacon qui servait à rien parce qu'il fallait miner de la deep slate. Mais voilà, je suis content. Du coup, ma petite salle des minerais. Bon, j'avoue, la décoration n'est pas incroyable. Mais au moins, j'étais tous. Dont ceux-là aussi. Et lui, là, vas-y, on en a trop. Casse-toi sous l'escalier. Et du coup, voilà. Petit bâtiment. Bon, en vrai, c'est pas le bâtiment des mineurs, c'est plus le bâtiment des minerais à la limite. Et voilà. Bon, là, le but, c'est de faire un succès où il faut mettre 8 templates qui sont définis sur des armures. Donc voilà. Voilà qui est fait, donc maintenant on va aller les poser. Bon, en vrai, même si j'ai fait au pif, elle est quand même stylée, hein. Et surtout celle en cuir avec l'or dessus, franchement, beau gosse. Bon, on va faire un autre petit bâtiment, mais qui lui est un peu moins utile. Juste une petite maison de villageois, entre guillemets, non, juste une maison quoi. Du coup, bam! Ah! Bam! Ouais, j'ai dit, c'est pas non plus incroyable, c'est juste une petite maison comme ça, là, pour habiller ce petit village. Donc du coup, 3... 2, 1, hop! Et voilà le travail. Bon, pas non plus un bâtiment exceptionnel, mais il va quand même bien falloir combler un petit peu à 2-3 endroits pour... Ouais, pour que ça prenne forme, hein, ce petit village. Si je me retrouve ici, c'est pour un truc tout con. Et j'ai envie de construire un port. Et le truc, c'est que si on y regarde bien, il y a cette zone-là qui est assez grande et cette zone-là. Mais le truc, c'est que celle-là est collée à l'océan quasi. Donc je pourrais faire un petit... Ouais, les bateaux pourraient pas faire le tour de l'île parce qu'il y a des ponts. Mais c'est un détail, ça.
Bon, j'ai profité de ce timelapse pour vous parler d'un petit truc. Alors, bon, j'ai déjà fait pas mal de touilles en cette survie. Bon, peut-être pas des constructions immenses non plus, mais aussi bien en termes de redstone que en termes de défis à droite à gauche. J'ai quasi fini tous les succès du jeu, j'ai fait tout plein de trucs. Et je me demande si, pour pimenter un peu l'aventure, j'ajouterai pas par exemple des modes. J'ai pas encore défini de liste de quels modes je pourrais rajouter, mais plein de petits modes, on va dire aussi bien pratiques que des modes d'aventure ou par exemple create. Je sais pas si vous connaissez, mais franchement, ça pourrait être sympa. Juste si j'en rajoute, je vais éviter les modes trop technologiques pour essayer de pas trop dénaturer. Genre par exemple, Create serait vraiment une alternative sympa pour pas trop abuser des modes, on va dire. Mais la question à ce moment-là est, si je rajoute des modes d'aventure avec des boss et des dimensions différentes par exemple, est-ce que je laisse la survie en hardcore? Parce que ok, le Minecraft de base, ça passe en hardcore. Mais avec certains modes, ça peut être compliqué. Hein. Je suis pas sûr qu'une armure en netherite fera le taf pour tout. Hein. Mais donc voilà, même si l'idée me plaît beaucoup, je préfère vous demander votre avis avant pour être sûr que... voilà. Bon, vu que maintenant j'ai fini cette toute grande plateforme, pas maintenant, il faut faire le port, du coup, pour les bateaux. Et ça, ça va se dérouler tout là, sur toute la ligne verte, là, jusqu'à là-bas. Et je compte le faire en bois, avec des petits pontons qui dépassent comme ça, là. Et bah du coup, on va faire ça. Mais encore une fois, ça va partir en timelapse. Bon, maintenant le port il est fait, j'ai mis des décos partout, je me suis cassé la tête, j'ai pris tout ce que j'avais dans mes coffres très clairement, j'ai même mis des petites bannières de pillager là, je me suis dit pourquoi pas. Mais donc du coup le port il est fini, reste plus qu'à pourquoi pas mettre des bateaux un moment, mais ça plus tard, j'avoue j'ai la flemme et je sais pas faire de bateaux. Bon, pour continuer sur le projet du port, il va falloir que je fasse un petit peu d'aménagement. Genre, ici, toute la zone délimitée là, je vais casser pour pouvoir continuer la rivière. Parce que, bah, pour avoir un accès direct à l'océan, avec les bateaux, etc. Ouais, j'aurais peut-être pu faire ça avant, quand j'avais les pandas amenés par exemple, mais... Bon, on va faire ça là maintenant. Pour pas avoir trop de temps de timelapse, là ça ressemble à ça. 3, 2, 1... Et ben voilà, c'était plus rapide que prévu. C'est faux, c'était super long et super chiant. Bon, j'avoue que l'aspect un peu terre n'est pas forcément le meilleur. De base, il doit y avoir plus de trucs, mais j'avais la flemme. Donc du coup, on fera ça un autre jour, hein. Mais en tout cas, c'est fait. Maintenant que j'ai fini la place, le port, et même le petit bout de flotte à côté, qu'est-ce qui pourrait me rester à faire ? Aménager la place ! Ah ah ! Donc du coup, j'ai déjà préparé 3 schématiques. Alors, j'ai taffé, hein. Pam ! Pam ! Pam ! Du coup, ce sera un petit marché avec plein de petites... petit stand et les grues là-bas au bout. Et bah je vais faire tout ça et après je mettrai plein de petites décorations à droite à gauche que j'ai la flemme de mettre dans mon schématique, genre je les mettrai moi-même. Mais voilà, donc du coup, alors je vais vous laisser sur un petit timelapse. Non. Bon, je pourrais vous montrer un énième timelapse de cette construction du port, mais j'ai pas envie, parce que sinon ça va faire un peu trop. Donc du coup, je vais simplement vous le montrer. Alors, j'en suis plutôt fier parce qu'il montre quand même une grosse partie de l'île. Et ah, j'en suis tout content, il est tout mignon. D'ailleurs, enfin, j'ai un accès un peu plus joli à la ferme à squelette qui est tout là-dessous. Enfin, un peu plus joli, ça reste 2 trous, mais ça reste mieux que rien. Donc du coup, ah bah ici, petite zone pour manger, tranquillou, avec plein de petits marchés qui ont chacun un petit thème. Enfin, chacun, lui, pour l'instant, il n'y a rien. On va pas se mentir, voilà. Enfin, tiens, là-bas, ils ont rien, mais pastèque, citrouille, là-bas, c'est du blé, là, c'est un lama. J'ai fait ce que j'ai pu. D'ailleurs, j'ai mis un petit paratonnerre ici, et je me suis dit, sait-on jamais qu'il y ait de la foudre, c'est mieux que ça tombe là-dessus que sur les toits tout verts. Donc voilà, c'est un petit port tout mignon avec... En vrai, il est pas si grand, mais en même temps, par rapport à l'île, il est très très grand. Et ici, il y a 2 grandes grues qui serviront
Avec là-bas tout au bout, bah le charbon et là la redstone. Et le bleu là-bas non plus n'a pas de... Il est franchement tout mignon, il habille vraiment pas mal ma petite île. C'est beau, c'est cool, moi j'aime bien. Bon, c'est bien un truc qui m'embête. Certes, mon armure, elle est jolie. En vrai, elle fait le taf. Mais... Ah vas-y, je veux mieux. Surtout que j'ai débloqué un paquet de templates. Je les ai toutes. Grâce à ce petit musée qui est là-bas. Pourquoi ne pas la modifier? Bah c'est ce que je vais faire en fait. Donc hop hop hop, on se retrouve ici. Alors... Bon, bah, on va pas cacher la vérité. 45 ans, hop, la table. Bam, 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 bam. Ah, ça fait du bien. Ça fait longtemps que je voulais passer au rouge. Cette couleur, elle est cool. Bon, j'ai hésité avec le blanc, le noir, le jaune et le bleu. Mais, bah, en vrai, le rouge, vas-y, elle est agressif, elle est stylée. Bon, j'avoue que, vu que en temps normal, j'ai tout le temps les élytras, peut-être qu'elle rend un peu moins bien comme ça. Mais je suis content. Parce que de 1, elle est cool. Et de 2, elle est cool. Ah, bah, c'est la template la plus rare du jeu, donc ça fait un peu plus de richesse en moi. Bon, petite pause pour expliquer l'incohérence. Si derrière, la salle des coffres a un peu changé, il y a moins de poutres et plus de feuilles, etc. C'est parce que j'ai fait les changements, mais l'enregistrement d'après a été fait avant, donc compliqué. Bon, j'ai un problème. Alors là, il me reste 15 patates de mon inventaire. Dans le coffre là, il y a plus de bouffe. Donc du coup, il va falloir que je fasse une ferme à bouffe. Et j'ai une petite idée de quoi faire dans le nether. Je vais vous montrer ça juste après. Ensuite, j'ai plus de canne à sucre. J'ai plein de poudre à canon, mais j'ai plus de canne à sucre. Donc du coup, je peux quasi plus faire de l'artifice et ça. Ça m'embête. Je disais juste avant comme quoi j'avais besoin de bouffe. Donc du coup, j'ai potentiellement oublié de filmer ça. Mais j'ai fait une petite ferme toute simple. Bam. Alors, ici, on voit les récoltes. Et je suis resté qu'une demi-heure, un truc comme ça. Donc en vrai, ça fonctionne bien. Du coup, c'est super simple comme système. Juste, bah, il y a des cochons du nether qui spawnent là-dessus. Les champignons leur fait peur. Ils vont là. Les torches sont pour qu'il n'y ait pas d'autres choses qui spawnent. Et en attendant qu'ils aillent eux-mêmes dans la lave, bah, nous, on va là au-dessus. Et là, on attend qu'ils spawnent. Je mettrai le lien dans la description. Tant que je suis dans le nether, si je me retrouve ici, c'est pour un truc tout bête que j'ai oublié de vous montrer. Mais j'ai réussi le progrès, sauver un ghast du nether. Alors pour ça, et j'ai galéré, et c'est pour ça que je me retrouve dans ce biome ici, où il y a un ghast qui a fini par spawner, et qui a fini par aller là. Oui, j'ai fait des gros portails. Je me suis dit, peut-être que par chance, il y en aurait un qui spawnerait ici. Ce qui n'est pas arrivé, plutôt, ils ont préféré plutôt spawner aux alentours et marceler avec des grosses boules pour casser mes portails. Mais finalement, il y en a un qui a réussi à venir ici, s'est fait téléporter et est apparu ici. Une zone que je me suis fait chier à creuser sans bacon. Comme ça, j'ai pu le fumer à coup d'arc et bam, il est mort. Au moins, ça c'est fait. Ah oui, j'ai oublié de faire le point, mais concernant les succès, enfin les progrès, il me reste plus que lui là. Il me reste un. Et j'avoue, je sais pas encore. J'ai pas encore réfléchi à comment je vais le faire. Même si je vais probablement regarder un tuto YouTube pour être sûr, parce qu'il y en a beaucoup des effets. Et donc du coup, il me reste plus qu'un objectif de plus, quasi fini. Et justement, en parlant d'objectif, j'avoue, je pense pas toujours à vous montrer l'avancement de ce petit panneau, mais moi, il me sert pas mal. Donc du coup, il reste pas grand chose. Hein. Et j'ai essayé de faire la ferme à sable qu'on voit derrière. Le seul truc, c'est que, comprendre qui pourra, faire un chuck loader, j'y arrive pas. Genre, ça fonctionne pas, c'est pas comment faire. Donc je la mets de côté et on verra plus tard. Par contre, la ferme à squelette, ça peut être sympa à faire. Et j'aimerais faire d'autres fermes parce que même si j'en ai pas besoin, c'est cool d'avoir plein de ressources. Mais voilà, il me reste plus grand chose, donc n'hésitez pas à proposer des idées de ce que je pourrais faire comme objectif au fond. Il reste quand même pas mal de place sur cette île. On peut pas non plus exceptionnel. Genre, il y a pas mal de place par là-bas. Mais là, ça va être occupé. Je dirais pas pourquoi. Et ici, il y a pas mal de place. Là, c'est la même. Il y a quand même moyen de faire pas mal de trucs. En ce qui concerne les fermes, etc., j'ai tout plein de place sur les contours de l'île. Et si un projet m'intéresse, je peux potentiellement le faire sur les contours. Mais on va dire que le projet principal, c'est de faire vraiment l'île. Je veux qu'elle soit remplie à 100%. Je veux qu'elle soit toute belle. Donc, du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire des idées de ce que je pourrais faire dans les commentaires. Comme j'ai dit tantôt, dans cet épisode, il y a beaucoup de constructions. Et même si au prochain épisode, je vous réserve autre chose, là, on va continuer avec une bibliothèque. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais j'en ai une. C'est tout. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh.
déjà tout terraformé pour que ce soit tout beau. Enfin, terraformé dans un périmètre visible, parce que derrière la montagne, c'est très moche. Et j'ai mis des arbres partout. Bon, il y en a plein qui n'ont pas encore poussé, je l'avoue, c'est vrai. Mais, il y a des arbres un peu partout, et franchement, ça rajoute un petit truc. C'est beau. Et c'est cool parce que si par exemple, je me mets un point de vue genre là, quand je regarde par là-bas, on voit des arbres au bout. Bah, ici, on voit les arbres de l'autre côté, et c'est beau. On voit pas juste du vide comme là-bas, parce que la render distance est pas très très grande. Bon, ça habille de fou le paysage, et c'est trop cool. Et donc, du coup, je me suis amusé à creuser cette zone. C'était excessivement long, mais elle est creusée. D'ailleurs, j'ai compris seulement à la fin que mettre de la TNT, en vrai, c'est bien pour tout casser. Mais donc, du coup, là, on va commencer avec une ferme à poulets. Et ben voilà, reste plus qu'à mettre des œufs. Bon, je reviens, je vais en chercher. Bon ben voilà, la ferme à poulet est terminée. J'espère elle fonctionnera. Mais bon, en tous les cas, il faut attendre qu'ils grandissent, il faut attendre qu'ils pondent des œufs, il faut attendre que les œufs finissent là-dedans et que les œufs, enfin que les bébés grandissent. Donc on est large. Mais je vous ferai part dans les prochains épisodes de si elle fonctionne. Vraiment, vous n'êtes pas prêt pour la ferme que je vais faire là. Je pense qu'il n'y a pas plus utile comme ferme. Et je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Et donc du coup je vais la faire ici. Je me dis que ce sera cohérent. Mais je vais pas vous dire cette ferme à quoi, vous allez le voir après. Alors. Et voilà, elle est terminée. Bon, vous en doutez, elle est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai peut-être juste baissé le son avant de l'utiliser, juste pour être sûr. Bam. C'est une ferme à fleurs. Voilà. Et à graines. Ça sert à rien, hein. Mais c'est cool. Au moins, j'ai une ferme en plus. Bon. J'avoue, je l'utiliserai jamais. Oui, ben, je voulais faire 10 fermes cet épisode. Il fallait bien que je comble un petit peu. Voilà. Bon, maintenant, on va dans la ferme. Tout simplement parce que j'avais déjà une ferme à laine. Mais j'avais que de la laine blanche. Et moi, je ne veux pas que de la laine blanche. Je les veux toutes. Donc, du coup, pouf. J'ai déjà creusé, entre guillemets, les emplacements de chaque ferme. Enfin, chaque petit module. Et encore une fois, ça, c'est du revu et du revu. Donc, bam! Oui, bah du coup c'était pour avoir une couleur de chaque. J'ai pas encore mis les cisailles parce que je me suis dit si je mets les cisailles, je suis pas sûr de pouvoir mettre le colorant dessus quand ils ont pas de laine. Donc du coup il faut que je les mette. Et là il y a pas toutes les couleurs. Enfin ici, là il y a toutes les couleurs et là il y a les deux autres parce qu'il y avait pas assez de place pour les mettre là, donc noir et blanc ils seront là. Mais voilà, bah donc du coup j'ai juste à mettre les cisailles maintenant et c'est terminé. Bon, vu que maintenant j'ai plein de place, je peux faire des trucs sympas. Et la ferme que j'avais fait au spawn à canne à sucre, on va pas se mentir qu'elle fonctionnait pas. Du coup, je vais la refaire. Mais bon, vu qu'on la connaît, qu'elle est vue et revue, revue et revue. 3, 2, 1. Bon, ça, c'est fait. Alors, j'ai vraiment repris le même système que qui était au spawn. Ouais, bon, c'est peut-être pas le système le plus opti, hein. Mais mon but n'est pas d'avoir 8 milliards de canne à sucre, c'est juste d'en avoir assez pour me fortifier. Donc, on va laisser ça là. Et il y a 2 étages. J'ai creusé beaucoup. Du coup, voilà, une ferme en plus de fête. Bon, pour continuer dans les fermes, je suis revenu ici parce que je me dis, il y en a déjà 3, donc autant rajouter. Donc ici, faites pas attention aux petits arbres, là, c'est rien, c'est la foudre. C'est la foudre. Ici, on va faire une ferme à pierre, simplement. Bon, j'avoue, c'est pas la plus utile non plus, mais quand même plus que la ferme à fleurs. Parce que c'est vrai que ça m'arrive souvent des moments où j'ai plus de pierre. Et ça reste quand même pratique, j'en utilise pas mal dans mes bâtiments. Bon, j'en aurais jamais besoin d'autant que ce que va me donner la ferme, mais j'ai envie de la faire quand même parce qu'elle est cool. Donc du coup, allez hop, timelapse!
Bon, pour la prochaine ferme, alors là, ça va être une ferme à redstone. Oui. Logiquement, c'est censé être avec une cabane à sorcière qui est dans un biome marécage qui est juste là, mais je sais pas pourquoi elle est là. Et en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être pas la seule cabane à sorcière de la map, mais c'est la seule sur un très 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 grand périmètre, donc j'espère que ça va fonctionner. Et du coup, j'ai déjà creusé un peu parce qu'elle était à moitié enterrée et je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, mais... Ouais, voilà, on va tenter, hein. Bon. L'usine à redstone, terminée. Enfin, en vrai, c'est une usine à sorcières, mais on va faire comme si c'était une usine à redstone. Du coup, c'est une ferme de plus finie. Bon, s'il me trouve à côté de la ferme à creeper, c'est pas pour rien. Une ferme que j'ai voulu faire il y a longtemps, mais que j'ai pas fait parce que j'ai de la poudre à canon illimitée, j'ai de l'os illimité à la maison, j'ai une petite ferme à fil. J'avoue que le truc que je vais faire ne va pas me servir à grand chose. Mais je le veux, juste pour flex. Donc du coup, on va faire une tour à mob, qui est quand même relativement grande. Bam. Après toutes les fermes que j'ai fait, j'en ai préparé une autre. Et celle-là, c'est une masterclass. Donc vraiment, allez, go. Wesh. Ah, c'était pas l'endroit escompté, mais bon, allez hop. Bon, bah du coup, on va faire une ferme à Blaze. Tout simplement parce que j'ai pas besoin de bâton Blaze. Mais j'ai envie d'en faire une, ok. Bon, allez, le système de la ferme à Blaze, c'est plus ou moins le même système qu'une ferme à squelette dans le monde normal. Sauf que là, à la place de l'eau, il y aura de la lave. Donc on va simplement faire un petit tour de magie. Du coup, je me mets là. Je fais 3, 2, 1. Bon, la ferme à Blaze, c'est fini. Alors, je vais me grouiller de faire la petite présentation parce que je me fais harceler à gauche à droite constamment. Donc du coup, bah, c'est simplement une cage, il y a le spawner en plein milieu. Et ben, bah, ça spawn, ça tombe dans la lave, la lave les fait descendre au milieu. Et bah, il tombe là. Ah, il manque un bloc, zut. Du coup, juste aller fumer et bam, dans le coffre. Bah voilà, c'était une ferme plutôt simple, mais elle est utile. Ou pas. Bon. Là, on se retrouve pour l'avant-dernière ferme de cette vidéo. Et simplement, pour la dernière ferme, il me faut un beacon. Et vu que je n'en ai qu'un seul pour aller avec mes blocs d'émeraude pour mon beacon... Ah bah, il m'en faut un deuxième. Parce que du coup, ben, je peux pas... Mais il m'en faut deux, quoi. Et puis, dans les minerais que j'ai, je peux déjà avoir du fer illimité, de l'or illimité, de l'émeraude illimité, et de la redstone, si la ferme n'est pas non plus la plus efficace... Et il me manque du charbon. Donc c'est pour ça que la ferme à Wither va être trop cool. Donc là, on va se retrouver dans le Nether. Bon, pour cette ferme-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais dans mon enregistrement, déjà, il n'y a pas de son. En plus, mon timelapse n'a pas fonctionné, et j'ai pas le temps d'en refaire un. Donc du coup, et je vous montrerai au prochain épisode à quoi elle ressemble, cette ferme, mais bah, elle est faite, en tout cas. Bon, pour finir sur cette vidéo avec les fermes, si je suis ici, c'est pas pour rien, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qui pourrait être utile avec une tour de pillager? Une ferme à raid. Celle-là, ah, j'ai envie de la faire, mais j'ai pas envie de la faire, parce que rien que pour préparer le schématique, ça m'a pris... très, très, très longtemps. Mais bon, bah on va aller faire ça. D'ailleurs, j'ai déjà préparé les villageois, ils sont tout là-bas. Et eux, ils étaient chiants à ramener, j'ai dû faire un portail du Nether, il est tout là-bas. Oui, bon, je me suis un peu foiré, donc du coup, il est dans le sol. Mais au moins, j'en ai un. Parce que bon, on n'est pas super loin, mais on n'est pas tout proche non plus. On est quand même un petit millier de blocs. Bon, allez, sur ce, bon, maintenant, hop, petit tour de magie. Pouf! C'est très, très grand. Enfin... très très haut. Et voilà, bah donc du coup, ça va être une ferme à raid qui me servira surtout pour farmer l'émeraude, la redstone, bon, la poudre à canon, je m'en fous, la poudre lumineuse à la limite, et bah, les totems, même si bah, j'en utilise jamais. Bah voilà. Ah. Bon bah, timelapse.
Bon, bah maintenant il reste plus qu'à ramener les PNJ, hein. Ça va être long, parce qu'il y en a 5, et ouais, on voit pas la distance. Attends, entre là et là. De toute façon, j'en ai marre d'oser le faire, hein. Elle a intérêt à bien fonctionner. Je vais pas vous le montrer pour tous les PNJ, mais là je le fais rentrer dans le tube pour qu'il aille tout en haut. Et de 1. Tiens, maintenant on va chercher ton pote. Là. Là. Ah. Parfait. Et de 2. Encore un petit effort. Merci. Oh non ! Pourquoi il est mort ? Mais c'est pas logique, les autres ils ont rien ! Bon, maintenant que la ferme est terminée, il reste plus qu'à ramener l'effet bas domaine. Donc du coup, je suis ici et on va massacrer des méchants. Je l'ai trouvé ! Meurs ! Ok, donc là logiquement je fais hop. Merde, il est où lui ? Vous voyez rien, mais logiquement ça fonctionne. On les entend qui tombent, je massacre des trucs là et ça tombe. Et si jamais vous vous demandez, oui j'ai installé un autocliqueur pour ne pas devoir installer, appuyer toutes les, je sais pas, 2-3 secondes comme ça là. Là je peux lâcher les mains du clavier. Et ça a l'air de fonctionner hein. Maintenant reste à voir si je vais me faire harceler par des petits vex. Je vais rester là genre allez, une dizaine de minutes et on verra bien ce que ça donne. Bon. Toujours dans le projet de continuer mon île, là, j'ai fait un bâtiment immense. Enfin, par rapport à la taille de mon île, il est très grand. Et qui change pas mal du style que je fais habituellement. Donc du coup, j'ai pas perdu de temps. Bam! Alors, c'est tout simplement une arène. Ouais, bon, c'est grand. Je suis pas sûr que ça place ici, mais tant pis. Donc du coup, si on va à l'intérieur, c'est beau, il y a des gradins et tout, et ça rendra encore mieux quand ce sera fait. Donc, bah, je vais faire ça. Et tout ça, vous demandez peut-être à quoi il va servir. Juste pour un seul truc. Des fois, il y a des pillagers qui viennent ici. Et une fois, j'ai fait un raid sans en faire exprès, et j'ai décidé de capturer lui. Et ben lui, il va aller dans l'arène. Voilà, juste pour ça. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai perdu le timelapse de la construction de ce bâtiment, donc. Bah voilà, le Colosseum, c'est tout, je l'appellerai comme ça, c'est tout. Eh ben, il est fini, il y aura pas de timelapse, tant pis, dans tous les cas, il y en a déjà plein dans cet épisode. Mais voilà, on va pas faire un trop grand petit tour, parce qu'on en reparlera plus tard. Mais, ah, je suis content, il est beau gosse, il est grand. Je crois que c'est potentiellement le bâtiment le plus grand de la ville. Quoique la maison a l'air d'être quand même un peu plus grand, ouais, je sais pas. Mais voilà, ça, c'est fait. Bon, j'ai libéré le taureau, histoire de le ramener dans son enclos. Allez, viens mon chou. Logiquement, il n'y aurait pas d'espawn, je crois que je lui ai mis un pseudo. Il fait mal, je suis en élytra. J'espère qu'il peut pas agresser d'autres animaux ou quoi. Il y a absolument pas plein de PNJ là. Tu vas pas là-bas. Tu me suis, moi. Aïe, je rigole. Oui, c'est bien, c'est un bon taureau. Moi, je t'ai appelé. Aïe, je rigole. Regarde ça plus tard. Tu passes là? Aucun effort, hein. Bouge pas, j'arrive. Je vais juste ouvrir un petit peu ici. Comment je vais faire pour refermer? Ça va être une merde. Oh merde. Mais je fais comment pour refermer, moi? Aïe! Aïe! Pas gentil. Bon, déjà, il est où mon plastron? Là. Alors. Ça risque d'être... compliqué. Comment je fais pour l'enfermer là-dedans, moi? Je rigole. Sois pas méchant avec moi. Je rigole. Oh, merde. Tu viens, mon poulain? C'est bien. Bon taureau. Tu passes là ou pas? Non. Ah. Attends, je peux faire ça. Là, je crois qu'il peut plus sortir. Tu vas rester là-dedans, là. Tiens. Hop. Et hop. 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 Et si tu sortiras, plus jamais de ta vie. Mais je devrais peut-être mettre une petite loupiote pour éviter qu'il y ait des connards. Oh. Il va marave. Oh. Merde, il m'agrit. Merde, oh. Un peu là-bas. Et oh. Donnez-moi. Aïe. Tiens. Qui fait le malin maintenant? Bon. Pour continuer cette dernière partie de l'île que j'ai pas encore construite, j'ai fait un petit bâtiment qui est tout simplement une petite maison en angle, rien de spécial, mais il faut bien combler un petit peu. Du coup, 3, 2, 1, pouf! Bon, bah ça c'est fait. Alors, c'est pas non plus une maison incroyable, mais ça fera le taf. Genre, ça décore, ça... Ouais, ça fait le taf, juste simplement. Bon, bah, ça c'est fait. Bon! Alors, si je me retrouve ici, c'est pour un truc tout con. Il faut que je fasse le trophée mélange dangereux. Et pour ce trophée, et j'ai fait des tests en créatif à côté, il va falloir la masse de potions, d'où les petits alambics. Et donc, du coup, il va me falloir... Ça fait beaucoup. Et il va falloir aussi une pomme dorée, un poisson globe, l'effet de minage avec le beacon, et... le dernier, je l'ai plus. Ah oui, l'effet bad domain qu'on a avec les pillagers. Donc, voilà, je suis en train de faire des potions, écoutez, ça va être long. Bon, alors, j'ai crafté toutes mes potions, elles sont là. J'ai même le petit poisson, la pomme d'or, etc. Et le beacon. Il va juste falloir que j'aille chercher l'effet bad domain, du coup, sur les pillagers. Et si jamais je me rate, j'ai prévu de quoi en double dans la...
boîte de choker. Eh ben, on va faire ça. Alors, là, je suis arrivé à la ferme à Red, enfin, qui est là-bas au bout. Et donc, du coup, le but, c'est d'avoir l'effet bas domaine. J'arrive et j'ai même pas dû attendre. Bam! Coucou! Mon poulet meurt. Ça, c'est fait. Faut juste mettre le bacon. Ah merde, j'ai pas pris de quoi l'alimenter. Je reviens. Je viens de me rendre compte que c'est super dangereux d'arriver ici avec, avec l'effet bas domaine parce qu'à tout moment, il y a un raid qui se déclenche, c'est pas cool. Alors, on va partir. On se barre. Cours. Bon, du coup, je disais, maintenant, on alimente ça. Il faut l'effet de célérité. Bam. Ça, c'est good. Maintenant, un petit système très simple. On va se mettre là, c'est bien. Hop. Hop et hop. On met toutes les potions là-dedans et on met le reste là-dessus parce qu'il n'y a pas assez de place. Et du coup, là, j'ai juste à manger le poisson, puis la pomme, puis spammer le levier là et c'est good. Donc, on va faire ça. Allez, on peut y croire. J'espère que ça va fonctionner. J'ai pas envie de recommencer. Hop. Non, pas toi. Hop. Ah, pourquoi ça fonctionne pas? J'ai tous les effets! Oh, le seum. Ça n'a pas fonctionné, on est d'accord. Hein. Je dois avoir oublié une potion. Ah oui, je suis invisible. Salut! Bon, bah, on va recommencer. Bon, j'ai trouvé. Pourquoi j'ai pas réussi l'objectif? C'est parce qu'il me manque la potion de maître tortue. Je sais pas comment faut faire pour l'avoir, donc du coup, je vous retrouve après. Bon, alors, là, du coup, la seule potion qui me manque, c'est la potion de maître tortue. Du coup, j'ai trouvé des tortues parce que j'ai testé, ça fonctionne pas avec mes tortues à moi. Pas savoir pourquoi. Et là, faut que je les reproduise. Donc on va faire ça, pouf, pouf, et elles vont faire des œufs, les œufs vont grandir, et j'espère il y aura plein de tortues et plein d'écailles, et voilà. Bon bah je vous reprends quand il y a un bébé. Bon, j'ai dû changer de tortue, et bah celle-là a l'air de pondre un œuf, et l'autre elle s'est barrée, elle est quelque part, bah je sais pas, elle s'est barrée en fait. Mais on s'en fout, pond un œuf, ou plusieurs œufs, s'il te plaît, t'inquiète, t'as presque pas la pression. Non mais t'as raison, creuse pendant 40 minutes, je te dis rien, le but c'est pas de creuser pendant 15 ans, c'est de faire des œufs. Oh, des œufs, un œuf. Bon, bah, c'est déjà ça. Bon, bah, du coup, je vais attendre. Longtemps. Bon, alors, je suis resté AFK pendant longtemps et la tortue a grandi. Oui, j'ai mis une petite structure en bois pour me protéger. J'avais pas envie de rester là à tuer les monstres. Bon, du coup, j'en ai eu une. Alors, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse ça encore 4 fois. Mais bon, j'ai la flemme de faire ça en vidéo, donc bon. Alors, toi, tu meurs. Oui, c'était pas obligé de faire ça. Mais j'en ai une. En attendant, alors, taux de magie, 3, 2, 1, pouf. C'était super long. Mais j'ai enfin toute une petite carapace. Donc du coup, on va enfin pouvoir faire un petit casque. Pouf. Ah, j'aurais bien aimé en avoir un deuxième pour mettre sur un des porte-armures. Hein. Mais j'ai tellement la flemme, c'était tellement super long. Donc on va faire une potion et on se retrouve pour l'objectif. Bon, on est de retour ici. Donc maintenant, juste à remplir le distributeur. Et logiquement, il me manquait qu'une potion si je me suis pas gouré. J'espère parce que je vais vraiment avoir la flemme de recommencer si jamais je l'ai pas fait. Ça c'est good, j'ai mon effet. Donc là maintenant il reste plus qu'à manger ça puis ça. Croyez en moi. Allez, ça passe ou ça casse. Let's go! Ah, c'est cool, l'effet de nausée, il est parti. Enfin, j'ai fini, j'ai fait tous les succès, là, wouhou! Ils sont tous faits. Bam, 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 et bam. Bon, bah, la suite. Bon, maintenant, pour continuer ici, parce que, vas-y, tant qu'à commencer, autant finir cette zone. Bam, bam, bam. Ça va être une église. Voilà, bah je vais la faire.
Bon, alors pour la suite des bâtiments pour pouvoir finir entièrement l'île, j'en ai préparé encore un. Alors hop, hop, bam. Bon, j'avoue, il est pas très bien intégré là actuellement parce qu'il y a, il y a le sol, il dépasse et tout. Et puis, je savais pas où le mettre. Ok, 3, 2, 1. Bon, ça, c'est fait. Alors, la petite caserne. Oui, j'enregistre ces passages il y a beaucoup de temps après. Donc, bam. Alors, je me suis fait chier, surtout avec le sol là. Oh, le petit dégradé, il est sympa. Bon, j'avoue, j'ai repris ce que j'avais pris pour le... Colosseum. Et donc du coup, j'ai mis des petites cibles et tout, là je sais pas à quoi ça sert, mais il y a des tours. Voilà, j'ai pas mieux en fait, c'est vraiment, ouais, ça comble, c'est gros mort. Et le terraforming sur le côté, il était un peu chiant quand même, hein, mais ça passe, alors ça fait franchement le taf. Sinon, on va ici, et regardez comment j'ai mis la carte à jour. Waouh, l'île, elle est complètement bulle, il y a des bulles partout. À la limite, on peut se dire, il y a un petit trou là. Non, c'est la mine. Donc du coup, si on compte, ça fait 18 bâtiments. Si on compte, bien évidemment, le truc des PNJ et la mine. Et on compte pas chaque petite maison. Donc, du coup, ça fait quand même un paquet, hein. Genre, tout ça, tous les arbres sur le côté, c'est trop cool. D'ailleurs, ici, la magnifique ferme à bois qui est trop bien. La ferme à mousse, ici. Ah, mais ici, j'ai pas mis à jour. Plus tard. Bon, ça fait un petit temps que j'ai pas fait le petit room tour. Et là, je pense que c'est le bon moment pour faire un petit tour de la ville, enfin, du village, au total. Du coup, on va commencer par la maison, qui est, il me semble, le premier bâtiment que j'ai fait. Et aussi le plus grand. Alors, du coup, le salon. La cuisine, simple, efficace, avec un aquarium tout vide. On monte direct avec la salle des trophées. Alors, c'est pas une immense salle des trophées, mais il y a toutes les armures. Il y a les trophées, genre tête de Weezer, tête de dragon, un petit hommage à Marguerite. Je m'en souviens, moi, de toi, Marguerite. Et des bricoles à droite à gauche. Ensuite, les deux chambres, un aquarium et la magnifique petite bibliothèque avec la table d'enchant. On arrive tout en bas avec la salle des coffres. J'avoue, j'aurais pu la faire plus haute et plus grande parce que moi qui pensais que ce serait trop de coffres. Ah, ben en vrai, je les ai quand même pas mal remplis. Hein. J'ai carrément dû faire une deuxième salle des coffres. Bon, j'avoue, je me suis pas cassé la tête, j'ai fait exactement la même. Et ici, la salle des fours, qui finalement, de base, était une salle des fours, mais a beaucoup servi pour ce truc-là. L'enclume et la table de forgeron. Je pense que le deuxième bâtiment que j'ai fait, c'est la forge. Alors, ça, pour nous, on forge, mais sa seule utilité, c'est ça. C'est les petits seaux de lave que je peux avoir facilement grâce à ces chaudrons et la lave qui est au-dessus. C'est tout. Le reste... inutile, mais elle est pratique et elle est vraiment, je trouve, assez bien décorée. Franchement, l'intérieur est tout mignon. Et on va continuer avec la pizzeria. Rien de spécial, elle sert pas à grand chose, c'est un bâtiment full décoratif, mais il y a des magnifiques petites bannières en forme de pizza. Ici, un petit bâtiment qui m'a servi de ruche pendant quelques temps et qui a vite été remplacé par cette ruche qui, elle, est quand même pas mal plus grande et plus fonctionnelle avec de la redstone. Et pour continuer, ici, il y a la mine. Bon, j'avoue que le haut du bâtiment, qui n'est pas vraiment un bâtiment, on dirait vraiment genre un petit tas de terre. Mais bon, le tunnel est quand même sacrément long. La dernière fois que j'ai fait une mine comme ça, c'était dans les anciennes versions où il n'y avait pas jusqu'à la couche moins 60. Donc c'était long. On va continuer avec cette volière. Elle est super jolie avec des couleurs que j'aime beaucoup. Mais j'avoue que j'ai jamais décoré l'intérieur. Ensuite, on peut continuer avec le bâtiment des PNJ. Et lui, je pense que c'est vraiment un des premiers bâtiments. Et d'ailleurs, c'est bien, hein, ce bâtiment, il est cool. Mais pourquoi il y en a qui décident de sortir comme ça, des fois, sans raison, alors qu'ils sont logiquement dans des enclos où ils ne peuvent pas? Mais bon, on peut continuer ici avec la ferme. Ah, en vrai, j'en suis fier aussi de celle-là. Juste pour cette porte. Je sais pas pourquoi, mais je la trouve... très 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 stylé. Et à l'intérieur, tous les animaux que j'avais... Oh, il y a un lapin là. Tous les animaux que j'avais la flemme de mettre, de faire des enclos. Sauf les lamas, j'avoue, j'aurais peut-être dû. Parce qu'avec leur petit tapis sur le dos, ils sont quand même beaux gosses. Ici, ce petit ascenseur à redstone, vraiment compliqué, mais trop cool. Et énormément d'exploitation de moutons qui produit pas mal en fait. Hein. Donc ça, c'était la ferme. Et sur un coucher de soleil, je vais vous montrer les champs. Alors, j'ai mis logiquement tout ce qui pousse. Là-bas, il y a la netherwart. Et là-bas, il y a même les baies. Ensuite, je pense que la nuit est le meilleur moment pour vous montrer le portail du nether. Bon, j'avoue, je l'avais déjà dit. Peut-être qu'il est un peu mal placé, mais je m'en fous, je l'aime bien. Ensuite, on peut continuer par un endroit qui n'est pas un bâtiment, mais des enclos. Alors, celui-ci fut le premier. Des vaches, des poulets, des moutons, les animaux de base avec les cochons qui sont dans la ferme derrière, les chiens, les renards. Là, c'est les chèvres, où j'ai mis des petites protections parce qu'elles ont tendance à, je ne sais pas pourquoi, sortir de leur enclos. Et là, les pandas. Ah oui, petit aparté sur ce petit panneau des choses à faire que j'ai fini. Voilà pourquoi il est vide. J'ai enfin fini le succès d'avoir tous les succès. Donc voilà. Ah oui, tant que je suis sur ce petit pont, on va pas faire attention au lama, au chameau et au chien qui est là. Ici, les petites tortues. Ce petit enclos en dessous du pont et de la colline, je trouve
tout mignon, ça fait un petit taf, ça comble, c'est sympa. On continue avec l'enclos des sniffers, qui a une petite particularité, qui est que pour récolter les graines qu'ils font, tout un système de rails qui ramène tout ici. Et donc du coup, oula putain, j'en ai beaucoup. Ici, je crois, avec les shaders, ça rend encore mieux, mais elles sont trop belles. Le rouge comme ça, franchement, les vaches champies, trop belles gosses, je les adore. Et pour finir, dans les animaux, je pense que j'aurais fait le tour après. Et les chameaux, eux, je les déteste. Ils sont trop beaux, ils sont drôles, avec leur petit sourire là. Mais ils sortent tout le temps de leur enclos, je les déteste, vraiment. Qu'il y en ait deux là, je suis content. Logiquement, il y en a quatre. Oui, voilà, je me disais bien qu'il était là. Il fait sa petite vie, écoutez, franchement, je vais le laisser. Allez, pas du tout parce que j'ai la flemme. On enchaîne ici dans ce petit coin qui est franchement très très mignon et très agréable, surtout grâce à la petite arche qu'il y a là. Mais c'est pas de ce bâtiment que je vais parler, j'ai parlé de lui, le bâtiment de la carte. Lui, je l'adore. Juste pour cet arrondi qui est là, je le trouve trop beau. Mais la carte au milieu, ah, qu'est-ce que c'est bien de pouvoir la mettre à jour. Et ben globalement, vous l'avez déjà vu, mais elle est immense. Et franchement, je la trouve trop cool. Et ici, un de mes bâtiments préférés, bien évidemment, le bâtiment des templates ou modèle de forge en français. Les quatre plus nuls avec les quatre plus forts, les six plus forts, je disais. Et surtout eux là. Ouf. La template du silence. Ouf, je m'en souviens à quel point j'ai galéré. Et surtout, encore une fois, l'architecture intérieure, franchement, je la trouve vraiment bien. Ensuite, le marché. Lui aussi, il m'a pris beaucoup de temps et il est vraiment sorti de ma tête en pas longtemps. Mais par contre, pour le faire, ouf, c'était moins drôle. Tout plein de marchés de couleurs différentes avec des thèmes. J'ai essayé de mettre à chaque fois du charbon, de la redstone. Rien. Et globalement, rien, hormis des blocs de couleurs des fois, mais voilà. Ici, deux petites grues qui auraient pu servir pour un éventuel bateau, mais j'ai jamais eu la foi d'en faire. Avec ce magnifique port, franchement, trop clean. Avec ici, l'accès pour la zone où il n'y a pas beaucoup de fermes, mais j'aurais aimé qu'il y en ait plus. La ferme à squelette, la ferme à cactus, la ferme à poulet et la ferme à canne à sucre. D'ailleurs, est-ce qu'elles ont bien produit? En vrai, c'est raisonnable. Et toi là-bas? En vrai, ça va, franchement, ça a bien produit. On va enchaîner avec le bâtiment des mineurs qui finalement n'est pas le bâtiment des mineurs, mais le bâtiment des minerais. Lui, c'est un bâtiment très simple. J'ai dit beaucoup de fois le mot bâtiment. Mais du coup, il abrite chaque minerai dans leur forme roche et dans leur forme deep slate. Donc, surtout toi, là. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait chier. Tu m'as fait chier. Pardon. Bah, voilà, pas beaucoup de déco, mais au moins, ça fait un petit succès personnel de plus d'avoir un de chaque. Et on peut directement sortir par là. T'inquiète, on t'a pas oublié, toi. Hein. Et on peut directement sortir par là avec la place de l'église. Ici, le Colosseum. Il est grand, qui n'a pas beaucoup d'utilité, hormis, vraiment, mon but avec ce bâtiment immense, c'était de pouvoir avoir un endroit pour te mettre toi, là. Franchement, une arène bien sympathique. Avec un sol que j'ai galéré à faire parce que je savais pas qu'est-ce que je pouvais mettre. Et des gradins, qui d'ailleurs font mal leur but parce que vraiment, quand on est posé, imaginons, ici, on voit vraiment bien l'arène. Hein. On va continuer avec ici un bâtiment qui n'a pas d'utilité, juste pour combler. Ici, l'église. Elle, je n'ai pas galéré à la faire, elle a été très rapide. Mais par contre, pour la designer en créatif, ouf, c'était chiant, hein. C'était très chiant. Et j'avoue que j'ai pas eu la foi de décorer l'intérieur. Et ici, là par contre, j'ai décoré pas mal l'intérieur. Et ce bâtiment est un de mes préférés, juste pour l'écriture book. Je trouve ça trop stylé. Là, encore une fois, j'avoue que j'adore vraiment quand il y a une entrée où on voit tout comme ça avec les étages. Ça rend vraiment trop trop bien avec le lustre là-dessus. Et donc, du coup, ici, une petite place un peu vide. Je l'accorde, mais je savais pas trop quoi mettre de plus. J'ai mis quelques petites tables là, mais je me voyais mal mettre des tables, surtout que c'est un petit peu en pente. Je trouve que ça aurait été bizarre. Et je pense avoir fait un tour de l'île. Je pense que si on prend un point de vue plus haut, ah oui, je sais pas si je vous avais déjà montré ces petites plateformes en verre que j'ai fait pour mieux voir. Ah oui, j'en ai oublié un. Attends, je reviens. Donc, du coup, le dernier bâtiment que j'ai fait qui est simplement une caserne. Encore une fois, c'est un bâtiment qui n'a pas beaucoup d'utilité, mais que je trouve sympathique. Il y a des cibles. Genre, voilà, il y a rien de plus. Donc, on va retourner là-dessus. Du coup, je disais, les petites plateformes en verre que j'ai fait là, là, là et là, qui sont au final juste pour pouvoir voir. Ben voilà, j'ai quand même fait pas mal de constructions. Au fond, je n'ai jamais compté, mais il y a quand même pas mal de bâtiments qui sont relativement grands, mais qui étaient surtout coûteux. Bon, certains matériaux, j'ai pu les avoir en abondance, genre là-bas avec la ferme à bois. Mais qu'est-ce que ça m'a fait chier de fermer les feuilles. D'ailleurs, la forêt là-bas, on a pas mal souffert. Mais tout ça là-bas, c'est maintenant le toit de mes maisons. Hein. Ne vous inquiétez pas, dans mon village, on est écologique. Donc, pour conclure sur cet épisode et d'ailleurs sur cette survie Minecraft, franchement, j'en suis plutôt fier. Déjà, ça, je l'ai déjà dit plein de fois, hein. Mais je suis vraiment fier de cette survie, aussi bien pour tous les bulles que j'ai pu faire que pour la visibilité qu'elle m'a apportée. C'est pas non plus exceptionnel, mais je tiens quand même à vous remercier pour tous vos commentaires extrêmement bienveillants et gentils. Vraiment, vous êtes des malades. C'est génial. Et, c'est pas pour autant que la chaîne YouTube s'arrête là. Je sais pas encore à quel jeu je vais jouer. Probablement des autres jeux de survie. Peut-être plus tard une survie, par exemple en one block. J'avais envie
tester ça, ou en modé, vu que dans cette survie, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai quelques idées en tête, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des idées d'autres jeux que je pourrais faire. Je pense que je resterai dans les jeux, on va dire, de survie, parce que c'est mieux. Peut-être à la limite, Horizon Forbidden West qui pourrait revenir, ou d'autres jeux, genre j'ai pensé à Otherwild ou Ark, même si Ark Survival Ascended demande un PC de la NASA pour tourner. Mais voilà, j'ai plein d'idées et n'hésitez pas à m'en donner, comme toujours. En attendant, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et concernant cette petite survie, je vous réserve un petit truc. Rien de nouveau, rien d'exceptionnel. Mais donc du coup, voilà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et tout le tralala, vous connaissez. Et au revoir.